Bonsoir à tous, bienvenue dans Vive l'Europe. Ce soir, je suis avec Maurice Giandre. Salut l'ami. Bonsoir Daniel. Ravi de te voir sur ce plateau. Ravi d'être là. Ça fait longtemps qu'on discute et enfin, on arrive à trouver un créneau et à faire correspondre nos agendas. La dernière fois, il y avait un souci oculaire. Oui, c'est vrai, j'avais l'œil très rouge. Bon, j'en avais parlé un peu sur les réseaux sociaux et on avait quand même fait un petit dîner, c'était sympa. On avait fait un très bon dîner, ouais. Ouais, c'était l'occasion de se connaître un peu mieux. Alors, Maurice Giandre, tu es entre autres choses, tu es chroniqueur à Mérigna Zéro. Les amis des MZ, ouais. Ouais, j'ai vu. Radio MZ maintenant, puisque. Ah, maintenant, c'est comme ça que ça s'appelle. En fait, il y a tout un tas d'émissions maintenant. Il y a Les Gabiers, il y a Le Pavillon Noir de façon plus ou moins régulière ou irrégulière de mon ami Sturm. Ouais. Il y a La Méridienne, il y a Les Panneaux Actu avec Maître Abosi qui intervient souvent. Mm-hmm. Voilà, donc maintenant, il y a tout un panel d'émissions comme ça. Je vais me faire gronder parce que j'en oublie. Il y a Revue et Corrigée. En fait, c'est devenu une vraie radio, donc avec différentes émissions. D'accord, ouais. Il n'y a plus seulement l'émission que les auditeurs qui ont connu MZ depuis le départ ont connu. Tiens, d'ailleurs, j'ai une anecdote pour toi. Ouais. La première émission que j'ai faite sur MZ, c'était pour le premier tour de la présidentielle de 2012. Oh, ça date. Ça date. Et c'était le jour même. Il y avait eu une exception. Donc, les camarades de Radio Bandera Nera avaient donné le créneau qui, d'habitude, était pour les camarades grecs, je crois. Mm-hmm. Il l'avait donc donné aux camarades français, donc à Méridien Zéro, et à l'époque c'était le MAS, parce qu'il n'est plus, qui s'est autodissous, enfin bon, c'est un peu long à expliquer. Oui. Et donc c'est ma première émission sur MZ et je l'ai fait avec Guillaume Fay. Tiens non. J'ai rencontré Guillaume Fay ce jour-là. Ouais, la première. Première fois, malheureusement la dernière. Oui. Et je me souviens d'une émission hilarante avec lui qui était dans une forme olympique. C'était sur quel thème? Ah bah c'était la présidentielle, en fait, on commentait les résultats du premier tour. Oui, d'accord. On commentait les résultats du premier tour. On avait fait ça chez un camarade qui habite toujours, je crois d'ailleurs, à Vanves, dans un appart. Ok. Et on avait eu des soucis techniques, enfin bon, c'était folklorique, mais donc j'avais fait la connaissance de Fay. Et je me souviens du retour en métro sur la ligne 1 où on s'est marré tout le long du trajet, c'était la première fois qu'on se croisait. Ouais, mais il est très amical, en fait. Voilà, très amical, malheureusement... La vie a fait qu'on ne s'est jamais recroisé, je le regrette. Ouais. Enfin, en tout cas, la seule et unique fois où je l'ai croisé, c'était vraiment génial. Ouais, ça s'est bien passé. Quoi. Oui, mieux que ça même. Ouais. Est-ce que tu interviens aussi sur d'autres médias ou Comme tu le sais, pas. Oui, c'est évidemment, vrai. Évidemment, c'est ça que je t'ai découvert, effectivement. Figure essentielle. On lui passe le coucou. Ouais, ouais, on le salue bien amicalement. Figure essentielle de la réinfosphère. Ouais. L'ami Adrien, évidemment, qui a maintenant sa propre émission sur Radio Athéna, qui m'a reçu très gentiment il y a quelques semaines. Oui, j'ai écouté cette émission, effectivement. Qu'est-ce que j'oublie encore Les gens qui t'apprécient m'ont demandé si tu écrivais des chroniques ou des choses comme ça. Plus. D'accord. Plus. Pas le temps. Et ben en fait, tout simplement, j'ai compris tout simplement quelque chose. Alors, je ne suis pas dit que je ne m'y remette pas un jour. Hein. Mm-hmm. C'est qu'on touche tout simplement beaucoup plus de gens par des vidéos ou des audios. Ouais. Et c'est pas faux. C'est moins chronophage. Ouais. Alors, j'apprécie énormément d'écrire. Hein. C'est un immense plaisir, mais pour des raisons familiales, personnelles, j'ai moins de temps pour moi pour ce genre de choses. Oui. Donc, je fais ça différemment. Voilà. D'accord, très bien. Alors avant qu'on entre, dans le vif du sujet aujourd'hui, on va parler d'actualité avec Maurice. Tu souhaitais nous parler de quelque chose? Ouais, d'une maison d'édition qui est d'ailleurs proche de Radio MZ, qui est tenue par des amis, notamment par un ami très proche, qui se reconnaîtra derrière son écran. Okay. Donc en fait, c'est le responsable des éditions du Rubicon. Qui va devenir d'ailleurs les éditions Nemesis. Voilà, donc pour ceux qui ont connu et qui connaissent depuis de nombreuses années les éditions du Rubicon, elles vont devenir très prochainement les éditions Nemesis. Oui. Et j'ai une excellente nouvelle pour pas mal de gens qui connaissent cette maison d'édition. C'est qu'une demande régulière que cette maison avait, c'était une demande pour une nouvelle édition de l'ouvrage de la Casa Pound. Une terrible beauté est née, d'ailleurs, qui va avoir un nouveau titre, plus proche de la traduction italienne, qui va s'appeler Tout se réapproprier.
D'accord. Donc le titre de la première édition était Une terrible beauté aînée, un titre qu'à titre personnel j'aimais beaucoup, mm-hmm. que je trouvais très poétique, oui. Qui correspondait bien à cet esprit que défend la Casa Pound d'un fascisme du 21e siècle. Oui. Mais le titre là est très bon, tout serait approprié, ça correspond bien aussi à l'état d'esprit d'ailleurs de la Casa Pound. Oui. Et le sous-titre, alors ça c'est le côté taquin de mon ami, qui s'appelle 40 concepts pour une révolution en marche. Ok, voilà. c'est tonique, ça donne envie de connaître un peu le contenu. Quoi. Sinon, pour ceux qui connaissaient déjà le Rubicon, donc il y a des ouvrages évidemment qui vont être repris avec Nemesis, notamment le New World Order de H.G. Wells, mm-hmm. avec une préface de Pierre Hillard, et Magie et religion, l'ancienne Scandinavie de Varg Vikernes, qui sera également disponible. Ah oui, oui. Voilà. Mais ça fait, ça... Qui avait été publié. Il y a deux collections majeures dont un certain nombre de types sont... Un certain nombre de titres sont déjà prévus, mais dont je ne peux pas parler pour l'instant parce que mon ami m'a demandé de le taire. Pour le okay, moment. Ouais, ouais. Donc deux collections, une qui s'appelle Europe et une autre qui s'appelle Influence au pluriel. D'accord. Et un ouvrage, à mon avis, qui sera très intéressant sur le monde occulte des comic books par un certain Jérémy Lehu. Voilà. D'accord. Donc ça, je pense que ça va intéresser vraiment énormément de monde dans le milieu. Un titre mystérieux. Au-delà mais du milieu, d'ailleurs. Alléchant. Ouais, voilà. Ouais. En gros, bon, c'est tout l'aspect ésotérique, occultiste. Autour du monde de Marvel et des DC Comics. Voilà, okay. DC Comics. Okay, okay. Voilà. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire et à écrire sur le sujet. C'est bien d'entrer dans le cœur de la culture populaire pour voilà. essayer de la comprendre. C'est essentiel. C'est essentiel. Mm-hmm. Et d'ailleurs, pour les gens qui connaissent vraiment cette culture populaire, en fait, elle n'est pas que populaire. Je dirais que c'est une culture qui est à la fois populaire et qui a un esprit vraiment aristocratique, au sens oui. Grec du terme, pour le coup. Oui. En général, quand je pense à ça, j'ai souvent une idée de, une idée bien précise d'une œuvre. C'est les Watchmen de Moore et Gibbons. Tout à fait. Qui a donné lieu à une adaptation cinématographique absolument fantastique oui. de Snyder. C'est vrai, c'est vrai. Avec peut-être un des plus beaux génériques d'ouverture de l'histoire du cinéma, pour ceux qui ne l'ont pas vu, alors ça, je vous conseille. Avec d'ailleurs. Parce que Maurice Jean est très amateur de cinéma, enfin très cinéphile plutôt. Oui. Et on aura peut-être l'occasion d'avoir fait des émissions là-dessus. En ouverture, avec une musique de Dylan, ouais. When the Times There Are Changes, qui donc est la musique d'ouverture du générique de l'adaptation du Watchmen de Moore et Gibbons exact. Par Zack Snyder. Voilà. Oui, oui, oui. Et le générique est exceptionnel. C'est vrai que le film est de qualité. Et puis alors la BD, je vous en parle même pas vraiment. C'est un bijou. Moi qui suis pas BD, c'est un bijou. Je sais que le scénario, il est extraordinaire. On est vraiment sur un truc de droite, quoi. Ah oui, là, ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. On met un moment à le comprendre parce que l'histoire est très rocambolesque. C'est le moins qu'on puisse dire. En fait, il y a un côté très paléo-conservateur, je dirais, dans cet ouvrage, mais pas seulement. Ouais. Je pense qu'il y a de l'influence de Pat Buchanan. D'ailleurs, Pat Buchanan, il y a un Pat Buchanan qui intervient notamment dans le film, ouais. qui est très ressemblant au vrai Pat Buchanan. Mm-hmm. Et bon, parce que c'est une uchronie, hein, oui. où je crois que Nixon, si je me souviens bien, on est à son troisième mandat. Enfin, c'est un peu délirant, mais ça ressemble vachement au monde qu'on a connu. C'est très très intelligent. Ah, c'est oui, vraiment c'est du niveau, quoi. C'est une uchronie extraordinaire. Enfin, c'est une dystopie aussi. Hein, c'est une dystopie assez terrifiante. Il y a aussi toute une réflexion autour du globalisme et l'esprit cosmopolite, notamment incarné par un des principaux personnages de l'ouvrage, qui s'appelle Ozymandias. Voilà. On ne va pas spoiler le bouquin parce que ce serait vraiment gâché, mais c'est vrai que on va dire qu'il y a une idée de l'humanisme et de ce que c'est le vrai humanisme qui correspond vraiment à la psychologie des hommes de droite en général. Moi, ça m'a plu. Quand j'ai lu ça, je me suis dit « oui ». C'est vrai. Alors, justement, c'était la discussion que j'avais hors antenne l'autre jour avec l'ami Adrien après Radio Athéna. C'est-à-dire que Adrien se considère, lui, comme un homme, ce qu'on appelle un homme de droite et non pas à droite. Mm-hmm. Un homme à droite, c'est Jean-François Copé. Oui. Adrien est un homme de droite. C'est également la différence que fait un homme comme Camille Pascal entre ce qu'il appelle la droite de situation et la droite de conviction. D'accord. À titre personnel, je ne me considère pas comme un homme de droite, pas du tout, parce que je trouve ce terme, cet épithète infamant, mm-hmm. mais parce que je me considère comme tercériste. Voilà, c'est tercériste. C'est-à-dire la troisième voie. D'accord. Ah ok, je ne connaissais pas ce terme. La vraie troisième voie, voilà. D'accord, ouais. Donc je pense que c'est ce qui correspond le mieux à ce que je suis. Quoi. Oui, voilà. Oui, je comprends. Ouais. Voilà. Oui, d'accord. Évidemment, je me sens beaucoup plus proche aujourd'hui des gens de la droite de conviction comme Adrien que d'une gauche complètement délirante et en effondrement moral à peu près permanent. Pour en parler d'ailleurs. Mais je crois qu'on se ressemble vachement en termes d'idéologie, mais effectivement, comme toi, à un moment donné, je me suis dit, c'est vrai, bon, j'ai fréquenté beaucoup de mecs de gauche dans ma vie, mais c'est quand même à droite qu'on se sent le mieux, quoi. Oui, actuellement, quoi. Le sectarisme, il est beaucoup moins grand. Oui, tout à fait. Il est même
très largement inexistant, en fait. Ouais, il faut pas se mentir, il y a plus de culture. Il y a plus de culture, il y a une soif de connaissance, de curiosité, de profondeur. Il y a aussi quand même un vrai sens de l'esthétique. Mmh, c'est vrai. Chez certains, il y a même encore un peu d'esprit chevaleresque, de sens de l'honneur. C'est toujours la fameuse idée, le style est de droite, les idées sont de gauche. Alors bon, c'est un peu réducteur, mais pourquoi pas. Ouais. Moi, j'ai tendance à penser que ce qu'il y a de plus intéressant dans ce qu'il est convenu d'appeler la gauche, même si aujourd'hui ce terme-là ne veut plus dire grand-chose, c'était l'envie, le désir de justice sociale. Et ce qu'il y a de plus appréciable dans ce qu'il est convenu d'appeler la droite, et là aussi, malgré tout ce que ce terme a subi comme on va dire comme attaque diverses et variées, c'est ce sens de l'esthétique et de l'honneur, quoi. Tout à fait, voilà. Non, mais le slogan gauche du travail, droite des valeurs, c'était pas mal, hein. Alors en fait, moi je préfère celui de d'Imats, par-delà droite et gauche, d'accord, qui d'ailleurs correspond mieux, je pense, à celui d'un esprit tertiariste. Oui d'accord. C'est-à-dire, c'est, par-delà ne veut pas dire en deçà, hein. Mm-hmm. On est pratiquement là dans une logique nietzschéenne. Oui, tout à fait. Oui, c'est ce que j'ai dire. Ça évoque... Par-delà, vraiment, pas le bien et le mal, mais par-delà, droite et gauche. Oui, d'accord. Et d'ailleurs, dans mon souvenir, je crois que l'ouvrage d'Imats, donc par-delà, droite et gauche, je crois que la cape de couve, c'est une citation de De Gaulle, c'est « Nous avons essayé de trouver une troisième voie entre la démocratie et l'oligarchie. » Ouais, c'est une jolie formule. C'est une jolie formule. Ouais. Et je pense que c'est... Ça doit être notre ligne de conduite, en fait, globalement. Alors, certains diront que c'est un appel à la fois à la démocratie directe ou semi-directe, avec la défense d'un état d'esprit aristocratique, etc. Oui, effectivement, ça peut être ça. Oui. Ça pourrait bien correspondre ça. Ça pourrait bien correspondre, ouais. Alors, on enregistre cette émission le 26 mars. Ouais. Alors, on va parler de l'actualité. Alors, ce qui fait l'actualité depuis des mois, c'est les Gilets jaunes, mais on ne sait pas trop où on va en arriver, finalement, avec ce mouvement. Qu'est-ce que toi, tu penses de tout ça? Alors moi je n'en pense que du bien, mais je suis inquiet là depuis quelques temps. Oui, bah oui. J'ai vu des drapeaux algériens flotter pour la première fois dans des cortèges l'autre jour, des drapeaux du NPA, enfin je crains la récup, c'est-à-dire par une partie des indigénistes, des mouvements de racisés des coloniaux, et par... Mais finalement, quel serait le sens de leur présence, la présence des halogènes chez les Gilets jaunes, enfin, quel combat qu'ils mènent là-dedans, je ne comprends même pas, en fait. Moi, je pense que c'est... Bon, il y a une volonté... Alors, sont-ils téléguidés, ils viennent-ils de leur propre initiative? Ça, je l'ignore complètement, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais... Ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, c'est complètement contraire à l'esprit originel. Oui. J'en parlais pas plus tard qu'il y a 24 heures avec un ami. C'est que je pense qu'aujourd'hui, il y a trois France, au minimum. D'accord. Au minimum, trois France. Pour simplifier, je dirais qu'il y a la France des ronds-points. Oui. Il y a la France des urbains diplômés ou surdiplômés, cadres sup du tertiaire, salariés de start-up, heureux et épanouis dans la mondialisation. Mm-hmm. Une mondialisation qui, pour eux, effectivement, est une mondialisation heureuse. Ouais. Et il y a une troisième France, c'est celle des banlieues de la délinquance et de la criminalité extra-européenne. Oui, c'est vrai. Et en fait, ces trois France n'ont quasiment rien à se dire. Oui. Voire elles sont clairement ennemies aujourd'hui, hein, on peut le dire. Oui. Et je pense qu'une partie de la France des ronds-points, de façon plus ou moins consciente ou inconsciente, oui, selon les personnes, selon les intervenants, selon les lieux aussi où on se trouvait, une partie de cette France des ronds-points est consciente qu'elle avait, en fait, qu'elle était face à deux ennemis. Oui. Oui, d'autant que, effectivement, tu dis que ces trois parties, ces trois France n'ont rien à se dire. Mais au moment des élections, on peut quand même dire que la France citadine et la France racaille, il y a une collusion. Il y a une collusion, en fait, de facto. Hein. Tu vois, évidente. Donc évidente. Finalement, c'est la sympathie qu'on a ressentie de manière épidermique pour les Gilets jaunes quand ça a commencé. Immédiate. Ça a vraiment été ce qu'un ami d'ailleurs de Chavelot s'appelait le commentarisme des ronds-points. C'est-à-dire vraiment cette idée que tout à coup, on se retrouve entre amis en ronds-points. C'est ça, ouais. ça sent la France. Quoi. Ça sent la France, ouais. Oui, j'avais vu une vidéo qui m'avait troublé. C'est vraiment, il y avait une valse. Il dansait la valse et j'ai trouvé ça magnifique. Pour moi, c'est vraiment... Il y a aussi la messe de minuit sur certains ronds-points. C'est vrai. Avec des prêtres qui sont arrivés, qui ont installé un hôtel.
on a célébré la naissance du Sauveur ouais. au milieu des ronds-points. Enfin, c'était exceptionnel, quoi. Ouais, tout à coup, c'était un morceau. Des vrais moments émouvants. Je sais qu'il y a eu des mariages. Il y a des mariages qui sont en préparation, quoi. Des gens qui se sont rencontrés. Oui, oui. Et c'est un peu comme on a vécu ça aussi. Alors, c'est pas exactement la même France. Ouais. Même si ces deux Frances-là, par contre, ont beaucoup à se dire. C'est ce qu'on a vécu aussi au moment de la Manif pour tous. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Oui, c'est comme un geyser de France comme ça qui tout voilà. à coup a bondi qui dans surgit, le ciel, quoi. Ouais. C'était impressionnant, quoi. Et moi, je me souviens vraiment les premières semaines. Donc, ça a commencé le 17 novembre. Ouais. Jusqu'à la mi-décembre, j'étais sur un petit nuage. Ouais. Alors, évidemment, je ne faisais pas trop d'illusions sur les débouchés réels, etc. Mais j'étais heureux de voir une France qui ressurgissait, qui était invisible, qu'on avait totalement oublié, qu'on méprisait. Arriver comme ça, comme un chien au milieu d'un jeu de quilles et, oui, oui. et tout défoncer. Je me souviens d'un tweet de Rushdie qui disait ben, « Je remercie les Gilets jaunes parce que j'y croyais plus ». Maintenant, j'y crois encore un peu. J'y crois encore un peu, voilà. Ouais, on a été nombreux dans ce cas-là. Oui, tout à fait. Ouais. D'ailleurs, je ne suis pas vraiment redescendu. Hein. Mm-hmm. Malheureusement, effectivement, les tentatives de récup étaient inévitables. C'est sûr. Elles c'est étaient sûr. Inévitables. Moi, tu sais, il y en a vraiment. Face à un tel mouvement d'une telle ampleur, d'une durée si longue, finalement. Oui, oui, oui. C'est quand même exceptionnel. Là, à l'heure à laquelle nous parlons, on se dirige samedi vers l'acte 20. C'est incroyable. Ce qui est incroyable. Oui. Qui aurait pu imaginer ça le 17 novembre. Mmh. Très peu de gens, finalement. L'argument que je donne souvent, et enfin, pensez-y, c'est vraiment que quand parfois il y a des semaines où il y a moins de monde, il ne faut quand même pas oublier que beaucoup de gilets jaunes sont des pauvres gens. Ils ne peuvent pas monter tous les samedis tous les à Paris. Samedis à Paris, ouais, tout à fait. C'est... Ou même dans d'autres grandes villes. Oui, hein, oui, tout à fait. D'autres grandes agglomérations. Et d'ailleurs, moi je suis encore absolument... Enfin, quand on voit les images sur les réseaux sociaux, notamment... des réseaux zuckerbergiens et autres. Ouais. Quand on voit des images dans certaines grandes villes, Toulouse, Bordeaux, je suis encore impressionné de ces marées humaines. Ouais, ouais, même ouais. au bout de presque 5 mois. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Je suis encore stupéfait. Ouais, ouais, non, c'est vrai que c'est impressionnant. Je suis encore stupéfait et très agréablement. Très ouais. agréablement. Mmh. Et quand... Alors, c'est une question un peu difficile, mais quelle est ta position sur la police, en fait ? C'est-à-dire, en fait, est-ce que tu penses que c'est normal, en fait, ils se contentent de suivre les ordres ? Est-ce Alors, que tu as un ressentiment, comme beaucoup de nations ? J'ai un regard ambivalent, à la fois lucide et triste sur ouais. la chose, parce que ouais. Tu te souviens, après l'épisode de la Grande Borne, oui. Où en fait, des policiers avaient failli être transformés en méchouilles. Oui. C'était donc la Grande Borne, c'est Vitry la Grande Borne. Enfin, c'était oui, c'est ça, c'est la Grande oui, Borne. Oui, tout à fait, tout c'est à fait. La Grande Borne. Je me souviens donc de ce mouvement social qui est né juste après ça. Je crois que le mouvement était soutenu par la population française à hauteur de 80 ou 85 %. On avait rarement vu un mouvement social autant soutenu par oui. la population française. Oui, oui. Je crois que là, quand même, le capital Saperti s'est bien érodé. Oui. Alors, moi, je tiens à souligner quand même un certain nombre de choses que j'ai apprises. Oui. Je sais, notamment au début du mouvement, pas mal de policiers, en fait, se sont fait porter pâle. Ah, d'accord. C'est assez peu. Alors, je serais bien incapable de te donner une donnée chiffrée sur la chose. Ouais. Mais je sais qu'il y a eu... C'était tout sauf anecdotique. D'accord. Ça a été même un moment donné invisiblement assez significatif, mais il y a eu des... Ça a été tué, en ça fait. Ça a été on assez panier, tue. Hein. Alors, est-ce que c'est plus du côté des policiers ou des gendarmes ? Ça, je ne peux pas te dire. Il y a eu donc des policiers, enfin des gendarmes qui se sont fait porter pâle, d'autres qui ont pris des congés qui n'étaient pas prévus. Ouais. Parce qu'ils savaient très bien que parmi les gilets jaunes, c'est des gens qui pouvaient tout simplement leurs parents, leurs enfants, leurs grands-parents ou des proches, des amis, des voisins. Quoi. Oui, c'est-à-dire que le soutien que certains policiers ont manifesté aux gilets jaunes, c'est en ne participant pas finalement. En ne participant pas. Ouais. Et pour moi, là où il y a quand même eu une bascule, c'est quand il y a eu cette augmentation, je crois, de l'ordre de 100 ou 200 euros, tu te rappelles, pour les, oui. pour les gardiens de la paix. Oui, oui, oui. Et là, je me suis dit, ils vont faire l'erreur de leur vie en l'acceptant, parce qu'on va clairement les transformer en mercenaires. Oui, oui, oui. Ils vont être transformés en mercenaires de ce régime. Le dernier cordon de CRS, maintenant, va être une garde prétorienne pour la Macronie, quoi. C'est ça, ouais. ouais. Et là, je pense que pour beaucoup de Français, le soutien dont ils avaient notamment bénéficié après la Grande Borne, là, c'est enfin, il est retombé comme un soufflet, quoi. Je comprends. Alors, si, je pense que si on faisait aujourd'hui un sondage sur la police, enfin, ou les forces de l'ordre plus globalement,
et la population française, je suis pas certain que le soutien sera aussi massif. Je suis même persuadé du contraire. Oui. Alors, j'ai entendu dire aussi que visiblement, les attitudes des gendarmes n'étaient pas les mêmes que celles de la police. Visiblement, il y a eu beaucoup moins de contacts physiques violents de la part des gendarmes que de la part des policiers. Comment expliquer cela ? Je l'ignore complètement. Est-ce que c'est parce que les gendarmes sont des militaires ? Ouais. Je ne sais pas. Peut-être que les doctrines de maintien de l'ordre ne sont pas les mêmes. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose qui est important. Hein. C'est notamment Xavier Lemoine qui l'a très bien expliqué. C'est qu'en 2005, au moment des émeutes de banlieue, au moment des émeutes du Ramadan, au moment des émeutes de novembre 2005, on était dans le maintien de l'ordre. On voulait absolument éviter un mort. Mmh. Donc, il y avait les deux gamins, là, Ziyad et Bouna, qui étaient morts dans le transfo. Ouais. Alors qu'ils n'avaient rien fait. Voilà. Comme chacun sait. Comme d'habitude. Et Xavier Lemoine expliquait très bien que là, il y avait eu, effectivement, on était dans le maintien de l'ordre. Là, on est dans la répression claire et nette. Oui. Très clair. Il faut que vous sachiez que c'est comme ça que c'est vu aussi à l'étranger. Hein. Bah, même le Conseil de l'Europe et l'ONU, pour lesquels, deux organisations pour lesquelles j'ai aucune sympathie. Oui. Mais on dit que là, effectivement, c'était absolument incroyable ce qui s'était passé avec les LBD en France et les grenades de désencerclement. Il faut quand même rappeler quelques chiffres. Hein. On est à peu près à 2000 blessés, 200 blessés graves, colossal, ouais. Une vingtaine d'éborgnés, un peu moins d'une dizaine de mutilés, des gens qui ont été estropiés, blessés très grièvement aux membres supérieurs ou aux membres inférieurs. Et il y a eu aussi près de 2000 blessés chez les forces de l'ordre. On se demande encore ce que Castaner fait place Beauvau. Oui, non, mais parce que moi, c'est ça dont je voulais te parler. C'est que ce qui est incroyable, c'est qu'il n'y a aucun geste de la part du gouvernement qui a été fait en faveur du peuple. Aucun. Même symbolique. C'est-à-dire, toi, tu dégages, on change un peu la team. Pas du tout. Ah non. Et c'est vraiment le je m'en foutisme, c'est ce côté. Oui, et puis en plus, même sur un plan, je veux dire, simplement des images et du symbole, la fameuse soirée dans sa boîte de nuit où il s'emballe une minette. Alors que je ne sais plus si c'était la veille ou le lendemain, des gilets jaunes allaient encore se faire tirer dessus. Pourtant. Ouais, c'est vrai qu'on en est. La déconnexion entre le peuple et les élites, là, c'est total, quoi. C'est invraisemblable. Enfin, lui, je l'ai vu, en fait, je me suis dit, il a une gueule de détrousseur de cadavres. Ouais. Je l'aurais bien vu dans le temps des gitans. C'est vrai, c'est je vrai. Je l'aurais bien vu dans le temps des gitans de Kusturica. Vraiment le Pégrelo, quoi. Au cinéma, jouer le salaud, quoi. Ouais, le Pégrelo, c'est. Très bon, en salaud. Je pense que lui, tu le laisses dans une morgue, il arrache les dents en or, quoi. Alors, on ne sait pas trop d'où c'est né aussi, mais tout à coup a surgi les foulards rouges. opposition des gilets jaunes. Ça non plus, je n'étais pas étonné. Alors, ça, par contre, j'ai été agréablement surpris par les gilets jaunes, mais je n'étais malheureusement pas du tout étonné par les foulards rouges. Ouais, j'étais persuadé qu'un mouvement comme celui-là allait arriver en contrepoint. Ouais, mais ça vient d'où ça exactement ? Alors, pour moi, ça, c'est cette bourgeoisie qu'on connaît depuis au moins la Troisième République. Ouais. Je dirais depuis... c'est un mélange de bourgeoisie de gauche et de bourgeoisie de droite, c'est-à-dire exactement le... Tout à fait macrono-compatible. Hein, mm-hmm. Ça va d'une partie de l'électorat versaillais, mais pas uniquement. Ça passe aussi par les arrondissements centraux parisiens. Une partie des centres-villes, des grandes agglomérations. Et en fait, on a... finalement, il a réussi la synthèse des deux bourgeoisies, Macron. C'est ce qu'on dit souvent, et c'est juste. Oui. Il a réussi cette synthèse-là. On est dans la bourgeoisie Louis-Philippard et orléaniste. D'ailleurs, je peux pas m'empêcher quand je vois Castaner, je peux pas m'empêcher de penser à des épisodes de l'histoire de France comme avec Thiers, avec Cavaignac, Clémenceau qui fait fusiller. Cavaignac et les journées de juin 1848, je crois que c'est juin 1848 et les grévistes des ateliers nationaux. Ouais. Voilà, ou Thiers avec l'écrasement de la commune, quoi. Voilà, il y a de ça chez Castaner comme il y avait d'ailleurs avec Valls au moment de la manif pour tous. Hein. C'est vrai. Même chose. Hein. C'est vrai. Même chose. Et d'ailleurs, c'était très intéressant de voir des gilets jaunes qui ont fait de la provocation très intelligente en arrivant avec des calicots, des banderoles où il était écrit « Vive Benalla, vive Castaner » et des foulards rouges qui se précipitaient vers eux. « Oh, elle est formidable, votre banderole, votre calicot est génial. » D'accord. Ouais. Des mecs qui s'étaient trimballés avec des t-shirts. Bon trolling. De l'excellent trolling. J'aime les LBD, j'aime les LBD, les grenades de désencerclement. Et on voyait des foulards rouges se jeter limite dans leurs bras en disant « Oh là, c'est génial. Dommage que je n'y ai pas pensé avant. » Oui. Je crois qu'une des images les plus fascinantes, c'est à Bastille. On voit ces foulards rouges donc vociférer, ils hurlent comme des hystériques contre des gilets jaunes qui sont sur les marches de l'Opéra Bastille en leur disant « gilets jaunes au boulot ». D'accord. Ouais, c'est...
Tout est dit, quoi. Tout est dit. Ouais. Alors, on dit souvent, on emploie, d'ailleurs, même moi, je l'emploie, hein, le mépris de classe, mais je pense que ça va au-delà de ça, en fait. Là, on est au-delà du mépris de classe. On est minimum dans la haine. Oui, dans le mépris, il y a une forme d'indifférence. Alors que là, c'est pas du tout l'indifférence. Non, c'est de la haine. Ouais, on est dans la haine. Et en fait, pour moi, c'est très, vraiment très révélateur de ce que cette République bourgeoise a accouché, de ce dont cette République bourgeoise a accouché depuis près de 2 siècles. Alors, au sein, on va dire, de la fachosphère, les gens qui ne mouillent pas trop devant le mouvement des Gilets jaunes, c'est ceux qui vont te dire que, à raison d'ailleurs, ben, d'accord, on parle de questions sociales, mais on parle très peu d'immigration. Alors, voilà. Justement, c'est... Alors, est-ce que c'est pas décevant sur les ronds-points, apparemment, on en parlait beaucoup. Ouais. Alors, de façon discrète... Ouais, mais c'était pas au cœur du... Alors, en fait, je pense que dans la tête de beaucoup, c'était oui. Très clairement... Parce que quand je parlais des Trois France tout à l'heure, il faut bien se rappeler que tout ça est parti d'un ras-le-bol fiscal. Bon, là, c'était la hausse des carburants, mais c'est lié à des prélèvements obligatoires qui sont très élevés en France. Si le niveau des prélèvements obligatoires est très élevé en France, et il est de plus en plus pénible et de plus en plus difficilement supportable pour une partie de la population française, c'est parce que les ponctions qui ont lieu sur une partie de la population française servent à subventionner et à perfuser la France dont je parlais tout à l'heure, celle de la délinquance et de la criminalité extra-européenne, qui ne vit d'ailleurs quasiment de l'économie parallèle, l'économie de la drogue et des prestations sociales. C'est ça, ouais, c'est le duo magique. Le duo magique, prestations sociales et CAM. Ouais. Je pense que ce qui fait que les banlieues de l'immigration extra-européenne n'ont pas totalement encore explosé. Je pense qu'il y a 2-3 choses qui tiennent. Économiquement, ça fonctionne bien. Les prestations sociales, enfin, on va dire les transferts sociaux, hein, les transferts budgétaires, les transferts sociaux, et donc évidemment le trafic de drogue, maintenant qui fait vivre un nombre incroyable de gens dans un nombre incalculable de quartiers. Je crois que c'était Caner qui nous avait dit qu'il y avait une centaine de Molenbeek en France. Ouais. Voilà, bon, Au bas mot, une centaine de Molenbeek. Terrible. Il y a évidemment maintenant des quartiers qui sont directement sous la coupe de certains imams. Donc, je crois qu'il y a même un partage maintenant. J'imagine qu'il doit y avoir... Enfin, c'est pas j'imagine. Il y a un partage des tâches entre la mosquée et le dealer. Oui. Alors, c'est pas que les deux s'apprécient. Hein, oui. Bah, ce lien entre criminalité, finalement, est... Voilà. Et donc, il y a ça. Et un truc auquel on pense pas, une chose auquel on pense pas, mais qui est réelle, c'est la PlayStation. Comment ça ? Je veux dire, il y a un nombre incalculable de gars en banlieue qui passent leur journée devant la PlayStation. D'accord, ouais. Alors bon, en plus, bon, il y a évidemment la consommation qui est de plus en plus importante de shit, parce que en fait, ils sont pas simplement vendeurs, hein, ils sont aussi consommateurs. Oui. Et l'univers mental de ces mecs-là, pour beaucoup d'entre eux... Ah, est façonné par la PlayStation. Intéressant, ça, ouais. La PlayStation, la barrette de shit. Ouais. Quelques morceaux de rap, quelques groupes de rap, les clashs, comme ils disent, entre tel ou tel rappeur. Pour certains, on suit plus ou moins le ramadan, on va à la mosquée de temps en temps parce que le grand frère ou le responsable de la sauce lui a dit « Allez, faut que tu y ailles ». D'ailleurs, il n'y a pas besoin de pousser. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit des images si amusantes, les fameux djellaba Iker. C'est vrai, c'est vrai. Les djellaba Iker, ça c'est mon... Pourtant, comme dit la télé, ces gens sont plus français que nous, Maurice. Mais tout le monde est plus français que nous. Tout le monde est français, ce que je disais, sauf nous. C'est ce que je disais à un ami ce matin... Dipan le Tamoul qui à ses heures perdues coupe un bras et plus français que toi. Bien sûr. Ouais. Mamadou le Barabou qui a atterri à 2 heures, qui est descendu de son avion et plus français que toi. Ami de l'Afghan qui se laisse aller au Bachabazi et qui a eu quelques problèmes avec les talibans en raison de son orientation sexuelle quelque peu iconoclaste et plus français que toi. Voilà, ouais. Salomon qui est un spécialiste du marché carbone et qui se demande s'il doit pas faire son allié en urgence pour échapper à la justice et plus français que toi. Mais tout le monde est plus français que nous. Tout le monde est plus français, ouais. Évidemment, c'est évident. Non, mais disons que ce que je voulais dire là-dessus, c'est qu'en fait, il y a eu un enthousiasme de notre côté parce qu'on s'est dit, quand les gilets jaunes vont comprendre qu'ils sont extrêmement nombreux, ils vont s'unir vers d'autres sujets, un peu comme... Bon, c'est con, mais en Allemagne, il y a eu des défilés contre l'islam, contre l'immigration. En France, ça bloque. Pour moi, il y a eu deux angles morts. Il y a eu deux angles morts et aucune réflexion quasiment sur l'intelligence artificielle et la robotisation. Oui. Et je dirais son corollaire, le questionnement autour d'un revenu universel. D'accord.
et l'immigration-invasion. Ouais, ouais. Alors, je pense que pour le, l'immigration-invasion, beaucoup étaient conscients que le risque était que le mouvement se scinde. Oui. Oui, en c'est gros, sûr. On aurait perdu la moitié des troupes. Voilà, on aurait perdu la moitié des troupes. Ouais. Je pense que beaucoup de gens sur les ronds-points ou même dans les cortèges, les défilés, dans les grandes villes, étaient parfaitement conscients de ça. Mmh. Je pense qu'il y a aussi un positionnement tactique. Il y a quand même eu des choses très importantes. Quand certains syndicats ont voulu notamment arriver sur les ronds-points avec leurs drapeaux, ouais. on leur a dit de les ranger. On leur a dit « ici, il n'y a que des Français mmh. ». Les seuls drapeaux qu'on déploie... Enfin, le seul drapeau qu'on déploie, c'est le drapeau tricolore. Et c'est justement pour ça que je te disais que j'étais assez inquiet quand j'avais vu les images du week-end dernier, où j'ai vu des drapeaux algériens, des drapeaux du NPA, de la CGT. Oui, oui, puis on a vu Mélenchon qui a fait un petit défilé oui, aussi. Oui, voilà. Ouais. Exactement. Bon, on est dans la récup classique. La gauche ne supporte pas qu'un mouvement social lui échappe. Oui, c'est ça. Ouais. Qu'elle ne le maîtrise pas, qu'elle ne le canalise pas, qu'elle ne le discipline pas. Ça, ça lui est insupportable. D'ailleurs, c'est, aujourd'hui, c'est sa seule et unique fonction. Elle est, c'est, la gauche n'est qu'une entreprise de domestication. Quoi. Mmh. Mais concernant... du peuple et des travailleurs français. Excuse-moi, concernant l'IA, je pense que c'est un manque de connaissances de la part des gens, en fait. Je pense qu'ils ont tort. Oui, ils ont tort. Voilà, mais grandement, là. Hein. Moi, j'essaie parfois d'aborder ce sujet avec des gens qui ne sont pas très politisés. J'en dis, vous savez, mais la question du chômage, c'est que le début, les gars. Parce que dans 20 ans, même pas, dans 5-10 ans, le nombre de jobs qui ne vont plus exister avec la robotisation, c'est vous imaginez risque, même quoi. Pas. C'est immense risque. Et justement, c'est pour ça que j'étais assez estomaqué de voir que ce sujet n'arrivait pas sur la table. Alors, évidemment, on a un gros problème. Ouais. C'est que la taxation sur les robots, la réflexion autour de l'intelligence artificielle, du revenu universel, c'est ouais. Benoît Hamon qui l'a porté lors de la dernière présidentielle. Ouais, ouais, ouais. Et alors le pire, c'est que Bilal, ouais. Lui, avait couplé ça avec sa volonté, je crois, alors je sais plus si c'était uniquement dépénaliser ou légaliser le shit. Mmh. Donc dans l'esprit de beaucoup de gens, l'équation a dû être, on va leur verser un revenu universel pour qu'ils puissent se payer leur barrette de shit. Ouais. Donc ça a été absolument catastrophique. On voulait tuer toute réflexion autour du revenu universel. On ne se serait pas mieux pris, quoi. Mmh. Enfin, donc il y avait une idée. Alors, j'avoue que je n'ai pas un avis définitivement tranché sur le revenu universel. Oui. Je me pose encore beaucoup de questions autour de ça. Mais par contre, je trouve terrifiant qu'il n'y ait pas de réflexion autour. Oui. Qu'on ne puisse pas en parler, en discuter. Je trouve ça absolument aberrant. Ouais, ouais. Et un mec comme Hamon a vraiment contribué à détruire une réflexion autour de ce sujet. Quoi. Mmh. Et qu'est-ce que tu penses finalement de cette revendication qui maintenant semble un tout petit peu passée de mode, mais qui faisait fureur, c'est l'idée du RIC. Du référendum d'initiative Ah bah, j'ai aucune antipathie contre l'idée, bien au contraire. Hein. Ouais. Les référendums d'initiative citoyenne, bon, les votations, comme on dit en Suisse, enfin peu importe. C'est vrai, comme ouais. Ça, ouais. Bon, l'exemple helvétique est quand même plutôt probant. C'est une démocratie semi-directe. Ouais. Ça fonctionne globalement bien mieux que ce qu'on connaît chez nous aujourd'hui. Tout n'y est pas parfait, évidemment. Ils ont aussi oui. des graves problèmes liés à l'immigration. Ouais. Mais c'est globalement un pays qui se porte mieux que nous. Mmh. Et on peut aussi parler de l'exemple islandais. Ouais. Voilà, donc ça, il y a des choses qui sont plus ou moins ressemblantes ailleurs et qui fonctionnent très bien dans certains États aux États-Unis. Ouais. Et je pense que nous, en plus, si on arrivait avec certaines questions qu'on a en tête. Oui, alors et en bah, plus, justement, et en plus les questions que nous aimerions poser, je suis intimement persuadé qu'elles seraient majoritaires. Bah, toute la question est là, parce que c'est... Vu que les notamment Français... sur le sujet de l'immigration. Mais vu que les Français votent mal à chaque élection, on se dit, mais même si on leur pose la question frontalement, est-ce qu'on ne va pas perdre, même sur ce sujet Alors, c'est quasiment le seul cas de figure où je me dis, non, là, ils voteront bien, en fait. Oui. Et, tout simplement parce que je me reporte au référendum de 2005, oui. sur le TCE. C'est vrai. Voilà. Mmh, c'est vrai. Donc, ils ont répondu à la question. Tu penses que là, disons, mettons-nous en mode Asselineau quelques minutes, tu penses que si on posait la question aux Français du Frexit, ils le voteraient ? Pas le Frexit, par contre. D'accord. Moi, je pensais pas au Frexit, mais je pensais, par exemple, voulez-vous instaurer la préférence nationale pour les prestations sociales ? Voulez-vous supprimer le droit du sol ? Voulez-vous en finir avec le regroupement familial ? Ouais. Voulez-vous sortir de Schengen et restaurer les frontières ? Voilà, stop sur ce genre de questions, je suis sûr qu'on aurait des réponses positives. D'accord, et très majoritaires. Oui, parce que c'est de l'ordre, peut-être même, je pense qu'on serait pas loin des 60-70%. Et finalement, je me base juste sur des études qui ont été faites, hein, des enquêtes d'opinion qui ont été faites sur un certain nombre de sujets liés à ces questions-là. Oui, oui, oui. Et on est toujours aux alentours de 60-70. En gros, c'est l'électorat du RN. Ouais. Une écrasante majorité de l'électorat des Républicains et même une partie des électeurs de la France Insoumise. D'accord, ouais. Ouais.
qui ne peuvent pas voter Rassemblement National parce que pour eux, ça relève de l'interdit alimentaire. Le surmoi antifasciste sera toujours plus fort que le surmoi anticapitaliste. Oui. Ce qu'on a pu voir au second tour. Ils ont voté de façon écrasante en faveur de Macron parce que le surmoi antifasciste prend le dessus sur le surmoi anticapitaliste. Exactement. Ouais, exactement. Voilà. Alors, comment dire est-ce que tu penses que, justement, le RIC est une super idée pour moi? Après, il y a cette idée que c'est à double tranchant parce que sur certaines questions, vu le degré de remplacement, on va dire que ça pourrait jouer contre nous. Alors, disons que pour l'instant, la bascule démographique n'a pas encore, pas encore eu lieu. Ouais. Donc, en fait, si jamais... C'est intéressant pour 10-15 ans. Quoi, voilà, mais... c'est exactement ce que tu dis. Voilà. Pour 10-15 ans. Après, c'est fascisme, mais... Après, faudra oublier. Mais pas le choix. Je pense qu'effectivement, c'est un horizon de 10-15 ans. Quoi. Ouais. Pas plus. Alors, après, effectivement, la bascule démographique faisant, là, ça sera un vrai piège. Mm. Ça serait une arme qui se retournerait contre nous. Oui. Clairement. Tu as parlé un peu de chiffres, et même si on devait aborder ça plus tard, j'aimerais en parler maintenant, en fait, des chiffres de l'Institut Montaigne par rapport au... Oh, c'est une étude, donc il y a... oui. Je vais te retrouver ça. Replaçons le contexte. Voilà, en fait, qui a une grosse année et demie. Ouais. Qui avait fait pas mal parler, mais finalement, sur un temps très bref. Ouais, bah moi, j'en avais pas entendu parler, ouais, en fait. Parce que finalement, les chiffres étaient tellement... Il y a des vérités qu'on ne veut pas connaître. Voilà, il y avait des chiffres et que les gens ne doivent pas savoir. Tellement extraordinaire. Je vais retrouver... Voilà, je les ai. Ouais. Alors voilà, donc j'avais titré ça « Quelques données chiffrées de l'enquête de l'Institut Montaigne sur les musulmans en France ». D'accord. Donc ce sont les musulmans qui répondent. Voilà. Ouais. Donc alors... Accrochez-vous. Prenez un morceau de jambon. 58% des hommes et 70% des femmes sont favorables au hijab. 20% des hommes et 28% des femmes sont favorables au niqab ou à la burqa. Donc voilà. 81% souhaitent que leurs enfants puissent manger halal à l'école. 60% souhaitent que les filles puissent porter le voile au collège et au lycée. Ouais. 48% estiment qu'on doit pouvoir affirmer son identité religieuse au travail. 40% pensent que l'employeur doit s'adapter aux obligations religieuses de ses employés. 29% estiment que la charia est plus importante que la loi républicaine. Combien tu dis 29%? Ah oui, on est quand même sur du un tiers. Hein. 57% estiment que les imams doivent être formés en France, mais 40% seulement pensent que les imams doivent être choisis par l'État. D'accord. La religion revêt une grande importance pour 66% d'entre eux, 46% de laïcs, 25%... Alors, qu'est-ce qu'on met derrière laïc? Ouais. Comme personne n'est d'accord sur la définition, c'est un peu compliqué. C'est... 25% revendiquent leur foi dans l'espace public, mais rejettent niqab et polygamie. 28% d'ultra vivant en rupture avec nos valeurs. 50% des jeunes de moins de 25 ans. C'est ça, pour moi, le chiffre le plus frappant. Alors, je répète, 28% d'ultra vivant en rupture avec nos valeurs. 50% des jeunes de moins de 25 ans. Parmi ces 28%, il y en a 50%. 50% des jeunes de moins de 25 ans. Oui. Donc 50% de 28%, mais de millions de gens, ça fait quand même beaucoup. Ça fait du monde. En rupture totale, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que ça veut dire, oui. Non, non. Qu'est-ce qu'on peut conclure tout ça, si ce n'est que la médecine de l'assimilation est un vieux rêve, désormais oublié. Donc qui a réussi. Qui a parfaitement réussi. Oui. Non, enfin bon, je veux dire, c'est une étude comme ça, elle est définitive, ouais. Dans un sens. Ouais, ouais. Voilà, enfin, on est obligé, par la force des chiffres, finalement, et des données, d'abandonner certaines chimères, ouais. Tout simplement. Mm. Si on s'attache à la réalité, qu'on est accroché au réel, non, mais c'est parce abandonne certains vieux principes, assimilationisto-républicains. Oui. Parce que quand on est nationaux, qu'on baigne tous un peu dans le même jus d'information, on regarde les mêmes sites alternatifs, etc., on a l'impression que tout le monde a compris que les musulmans dans la société française auront du mal à s'intégrer, voire ne pourront pas. Mais on nous parle encore à la télé, vous allumez les médias, on vous parle encore d'intégration. En plus, on dit toujours, ce sont les Français qui ont raté l'intégration des musulmans. Mais on voit bien à travers ces chiffres qu'en réalité, ils veulent rester, parce qu'ils étaient chez eux. Et ça... En fait, il y a un séparatisme de fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Pour l'instant, donc, il n'est pas juridiquement organisé. Ouais. Mais dans les têtes, il y a déjà une forme de sécession, en fait. Oui. Il y a déjà une forme de sécession et de séparation. Oui. Il n'y a pas de vivre ensemble, en fait. Ces chiffres le démontrent. C'est flagrant. Ouais. C'est flagrant. Comme je dis, pour moi, quand j'avais vu l'étude sortir, pour moi, entre guillemets... La religion était déjà faite, ouais. Mais bon, ça n'a fait que confirmer ce que je pensais. Oui, c'est quand même bien longtemps, quoi. C'est plus grave que ce qu'on croit, hein, finalement. C'est encore plus grave, ouais. Ouais. Notamment pour moi le dernier chiffre. Ouais. C'est le plus inquiétant.
C'est plus inquiétant parce que là, ça s'appelle une bombe à retardement. Oui, oui, c'est ça. C'est... Oui, quand c'est les jeunes, 50% des jeunes, c'est-à-dire qu'on part pas sur la pente de l'assimilation. Non, hein. C'est un peu le sens contraire. Bah, en fait, on est au-delà désormais du communautarisme. C'est, bon, c'est quoi le communautarisme finalement ? C'est un collectivisme racial. Mmh. Voilà, enfin, faut appeler les choses par leur nom. Hein. Oui, c'est vrai. C'est un collectivisme racial. Et aujourd'hui, on est même dans une nouvelle étape qui a déjà commencé il y a au moins 10-15 ans. C'est important ce que tu dis. Ouais, c'est... On est dans le particularisme. C'était au-delà du communautarisme, c'est-à-dire que on n'est pas forcément dans un communautarisme maghrébin ou subsaharien, mais c'est qu'il y a même des subdivisions à l'intérieur même de ces groupes. Oui, oui, oui. Et voilà. Bon, alors par contre, quand il s'agit de désigner un bouc émissaire commun, bon là en général, on fait très bien l'affaire. C'est ça, ouais. Le mâle blanc hétérosexuel est toujours là pour arranger tout c'est le monde. C'est vrai. Là, l'amalgame est très rapide. Voilà. Mais effectivement, tu as raison, c'est très important ce que tu dis, la différence entre un communautarisme qui n'est pas toujours offensif. Genre, par exemple, vous prenez la communauté portugaise, c'est un communautarisme, mais ce ne sont pas des gens fermés complètement aux Français. En fait, ils sont plus communautaires que communautaristes. Oui, c'est vrai, c'est vrai, au sens où on l'entend, effectivement. Mais là, avec l'islam, depuis quelques temps, on est dans autre chose. On est dans autre chose, on est dans une contre-société. Oui. Oui, oui. On est dans une société parallèle. Oui, oui. Clairement. C'est qui a été encouragé par les rois de l'époque, hein, évidemment. Ouais, ouais. Mais, Alors, je ne sais pas si tu as vu, mais maintenant, même des types comme Valls, alors on aurait aimé qu'ils disent ça quand ils étaient au pouvoir, mais parlent de la nécessité de fermer les mosquées salafistes. C'est-à-dire, en fait, en gros... pourquoi ne l'a-t-il pas fait avant, quoi ? Oui, c'est ça. Je rappelle quand même qu'il était ministre de l'Intérieur, il était Premier ministre. Enfin, bon, apparemment, à ce moment-là, ce n'était pas, pas l'urgence, quoi. Oui, ce n'était pas visiblement, ce n'était pas pressé. Bon, très bien. Cool. Comment expliquer quand même l'attitude des gens de gauche dans leur soumission à l'islam ? C'est-à-dire que... est-ce que ça va quand même très très loin, quoi ? Autoflagellation. On dit souvent, à mon avis, par erreur, que ces gens ont la haine de soi. Sont touchés par la haine de soi. Moi, je ne crois pas du tout qu'ils sont atteints de la haine de soi. Ils s'admirent, au contraire. Ouais. Ils s'admirent à s'autoflageller, à se repentir, à se trouver si généreux et si ouverts. En fait, ils ont la haine des leurs. Oui. Ils ont la haine de gens comme nous. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Ils n'ont pas la haine. Au contraire, il y a quelque chose, moi je pense, d'extrêmement narcissique. Je vois ce que tu veux dire. Il y a quelque chose même d'égotique. Au sein de la famille, on va dire des Français de souche, des Européens ethniques, ils se disent nous sommes des gens d'élite, on a compris ce qu'il fallait faire. Et eux, ce sont des beaufs, ce sont des minables. Nous sommes dans un univers cosmopolite, un monde cosmopolite. Ces gens sont rabougris, étriqués. Oui. On a un coup d'avance. Attachés à des vieilles lunes, nous avons un coup d'avance. De toute façon, l'histoire les balayera, elle le fait déjà. Oui. C'est l'histoire des mondialistes, hein, qu'ils soient d'ailleurs juifs ou de gauche. Totalement. C'est l'idée vraiment, oui, quoi que disent les nations, on n'arrête pas le train de l'histoire, blablabla. Elles seront effacées. Voilà, ouais. D'ailleurs, c'était... je crois que c'était une phrase de Minck il y a 15-20 ans de ça. Je suis et je travaille pour l'affaissement des États-nations. D'accord, clair. L'affaissement, bon voilà, l'affaissement. Il n'y a pas dit effacement parce qu'il s'est dit que ce serait peut-être un mot. Ouais, mais c'est un mot assez sale, affaissement. Affaissement, hein. C'est pas agréable. Hein. Non, c'est pas très agréable, non. Ouais, dans le top 10, avec un pays, c'est un hôtel, on un est pays, dans. C'est un hôtel, c'est bien aussi ça. Ouais. C'est bien aussi ça, oui. Tout ça vient toujours un petit peu des mêmes personnes, mais enfin, ouais, c'est un... Les élus pour lesquels on n'a pas voté, c'est ça ? Ouais, c'est ça. C'est un autre sujet. Alors toutefois, on voulait aussi aborder un sujet pour se détendre un peu. Alors, ces gauchistes, ils sont mignons, ils nous parlent d'humanisme, ils nous parlent de féminisme, etc. Et alors, la Ligue du LOL, bah moi, ça m'a bien fait loler. Ah, ouais. Alors là, ils se sont fait baiser. Et ça a été mon petit plaisir. Alors, le seul problème que j'avais avec cette affaire, c'est que je me suis dit, ils ont été gaulés, justement, les seuls mâles blancs hétérosexuels qu'ils avaient trouvés à gauche, quoi. Oui, c'est ça. Les seuls, donc il y avait Glad, Hervaux et Doucet, ouais. Donc des mecs de Libé, des Inrock, ou qui sont des types absolument imbuvables. Hein, alors Doucet, c'est le mec qui a écrit le bouquin Fachosphère, non, il me semble, ou je me trompe. Lui, oui. Bon, c'est des types absolument débectants, mais je me suis dit, en fait, ils se sont fait choper par la patrouille, mais bizarrement, tiens, c'est les hétéros cisgenres de la bande. C'est ça, en fait. C'est les non-racisés hétérosexuels de la bande qui se sont fait gauler. Bizarrement, ils correspondent au cliché de cliché, celui qui est défendu, quoi. Qui est défendu en permanence, enfin qui est pointé du doigt comme un épouvantail par les féministes 2.0 et les néo-féministes à la sauce anglo-saxonne. Mais qu'est-ce qu'on peut conclure quand même de cette affaire ? Non, ce qui est intéressant, ce qui était amusant, c'était toute la tartufferie, l'hypocrisie de ces gens, quoi. Ouais. Mais il y avait le fameux Thierry Marshall-Beck.
l'ancien du MJS, mm-hmm. qui lui faisait des grands discours devant des tribunes de jeunes socialistes, dénonçant les agressions sexuelles. Alors, peut-être pas la culture du viol, mais on devait pas être très loin. Ouais. Les viols, et puis on découvre que le type est limite un énorme pointeur. Il a agressé la moitié des nénettes du MJS. Ouais, ouais. On découvre que chez les jeunesses communistes, c'est la même chose, qu'une nénette en charge des jeunesses communistes a tout couvert, a tout caché, a même essayé d'étouffer les affaires. Oui, oui, oui. Au Monde, au journal Le Monde, mais tout ça en plus en quelques jours. Oui, oui, oui. Il y a eu ça, donc il y a eu la Ligue du LOL. Donc alors là, on était dans le harcèlement, notamment le harcèlement internet. Oui, oui, oui. On découvre que les deux petits trous du cul de chez Combini, enfin un de chez Quotidien de Barthès et l'autre de chez Combini, Hugo Clément et Martin Veil, ont harcelé leurs anciens camarades de promotion dans leur école de journalisme. Ouais. Et c'est ces gens-là, en fait, moi j'attends avec impatience la chute de Guillaume Meurice de France Inter, par exemple. Ouais, ouais, ouais. Je veux dire, en toute logique, c'est le prochain sur la liste. Oui, oui, oui. C'est quand même le premier donneur de leçons de ce pays. Ouais. Première donneur de leçons gauchiste. Il doit forcément avoir une faille. Il doit forcément y avoir quelque chose, quoi. C'est pas possible autrement. Ouais, ouais. Enfin bon, donc il y avait la Ligue du LOL, il y avait Marshall Beck du MJS, et puis remontons plus loin. Enfin, je veux dire DSK. Ah oui, bah là tu remontes très très loin. Hein. Bon, en fait, c'est pas si vieux. Oui, oui. Rappelons-nous, c'est pas si vieux. C'est quoi ? Ouais, c'était 5-6 ans. Ouais, il y a 5-6 ans. Ouais. Enfin, je veux dire, c'était quand même incroyable. Et même on en oublie. Bon, alors là, sur des questions fiscales, enfin, je veux dire, le type en charge de la lutte contre la fraude fiscale est lui-même un des premiers fraudeurs de France, Cahuzac. oui, c'est vrai, quand tu penses à ça. Mais c'est incroyable, en fait. Enfin, je veux dire, l'effondrement de cette gauche morale est permanent et ça fait des années, sauf que les gens l'oublient. Mmh. J'ai regardé ça il y a très peu de temps. Je crois qu'on est à plus de. Alors, je crois que c'est 200 000 euros par an. Oui. Pour Harlem Désir, à l'OSCE, il a un poste obscur de fonctionnaire international à l'OSCE et il palpe dans les 200 000 par an. Ouais, évidemment, non imposable, puisqu'il est fonctionnaire international. Ouais, ouais. Non, mais c'est fou. C'est fou. Mais je trouve que ces histoires d'harcèlement, même au sein de l'entreprise ou au sein. Ça remonte à loin. Rappelle-toi, Mitterrand, quand on était gamin, les grands discours sur l'argent qui corrompt, etc., on était en plein scandale péchinet, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Oui, alors Mitterrand, puis alors, si tu cherches la double vie et oui, tout, alors là, on s'en sort plus, on quoi. S'en sort plus, ouais. On fait pas la police des braguettes, mais enfin, non, quand non, même. Non. Hein. Ça, c'est pas du tout mon truc, ça le sera jamais. Oui. Et je veux dire, il faut pointer du doigt quand même l'hypocrisie de ces gens. C'est vrai, et je trouve en plus, ça montre, il y a quand même un côté échec et mat, la stupidité, l'utopie que représente le gauchisme. Parce qu'au fond, dans un parti quand même comme le Parti communiste, ben, il y a les mêmes jeux de pouvoir. Il y a les mêmes jeux de bah oui, moi je suis en haut, si tu veux monter, il faut à un moment donné que tu te laisses un peu palper. Je te laisse un peu palper. Hein. Donc voilà, donc, tous ces mecs qui te parlent de féminisme et tout, alors qu'en fait, il y en a pas un pour attraper l'autre. Et puis simplement, même si on va de l'autre côté de l'Atlantique, bon, je veux dire, l'affaire Weinstein était quand même fabuleuse. Oui, 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 oui. En plus, là, il y avait une autre dimension, moi, qui m'a encore. Après, moi qui suis un petit peu macho, ça a quand même fait marrer toutes ces meufs qui se réveillent 15 ans après. Argento, genre, c'était le plus drôle. Oui. Argento, c'était le plus drôle. Tu vois, d'ailleurs, qu'il y a eu une relation, alors, bon, je préfère le magazine People, mais ça m'a fait rire parce que j'ai pas pu m'empêcher de faire la connexion avec le fameux Hugo Clément de Combini. Ah bon ? D'accord. Qui lui-même donc est mouillé dans ces multiples affaires qui sont arrivées ces derniers temps. D'accord. Autour de ces questions de harcèlement. Quoi. Le monde gauchiste est petit. Voilà, le monde gauchiste est tout petit. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'était marrant, toutes les actrices qui étaient là. Je lui dois ma carrière, mais c'est quand même un connard, Weinstein. Enfin, ouais. C'est-à-dire. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Hein? En plus, bon, il était connu donc, comme le loup blanc pour être un, ouais. un pervers, un prédateur. Enfin. Et c'est là qu'on les voit finalement. Oui, mais ouais, mais j'ai quand même pu jouer dans ces films. C'est quoi. Ça, c'est j'ai ça. Mais moi, je veux dire, ce que je trouve dégueulasse, Maurice, c'est que même Tarantino s'est lâché et il a dit ah mais je savais pas du tout qu'il était comme ça. Ah ben c'est vraiment un connard. Tu vas me dire le mec il est produit depuis 20 ans, il a jamais entendu aucune rumeur. Ça m'étonne pas, je méprise Tarantino. De toute façon, j'ai toujours méprisé. Je pense que c'est sûrement le cinéaste le plus surévalué, le plus surcoté d'accord. des 30 dernières années. Ouais, ouais. J'ai un mépris absolu pour ce type. C'est vraiment le. Pour moi, c'est le Uyghur, quoi. C'est le Uyghur. Il y a un film qui le montre bien, c'est son hommage à la Blaxploitation, la Pam Grier. Ah, bah c'est sûr. Bah, c'est... Il a toutes les cases, en fait. Voilà, de... c'est... Donc, produit par Weinstein, Miramax. Alors, si je me souviens bien, en plus, quand il a été président du jury à Cannes, il y avait une magouille. Parce qu'il donne la Palme d'Or à Fahrenheit 9/11 de Michael Moore, oui. qui était, dans mon souvenir, produit par Miramax. Et Miramax était une des maisons.
D'Evenstein. Exact. D'Evenstein qui produisent. Mais je crois bien que les premiers films de Tarantino, c'est Miramax. Hein, D'Evenstein qui produisent depuis des années Tarantino. Intéressant ça. Ah, ouais. Je sais pas si tu te souviens de ça aussi. Une année, aux Oscars, il y a eu. Ça n'avait pas fait un scandale, et pourtant ça aurait dû. Il y avait un des plus grands films pour moi de tous les temps, en fait. Je le place dans mon top 10 personnel. Mm-hmm. Je pense que pas mal de cinéphiles doivent faire comme moi. C'est La Ligne Rouge de Terrence Malick. Exactement, j'adore Terrence Malick. Grand réalisateur. Grand réalisateur. Ouais. Et donc, la même année, il se trouve en compétition avec Le Soldat Ryan de Spielberg. Ouais. Bon, pas mal, hein, mais c'est un bon film, mais enfin, il y avait surtout La Ligne Rouge, quoi. Mm. Donc, il y avait une pluie de nominations et qui partent, je crois, ils ne repartent avec aucune statuette. Et qui gagne? Un petit film gentillet, sans prétention, comment ça s'appelle, Gwyneth Paltrow, Shakespeare in Love. Oui, je me souviens de ce film. Oh, gentillet, vraiment, bah, ouais, il mérite pas l'Oscar du meilleur film. Et puis après, je découvre quelques années plus tard qu'en fait, c'était les frères Weinstein donc, qui tenaient Hollywood, qui avaient produit. Oui, 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 oui. Et en fait, il y a une guerre, en fait, apparemment, à Hollywood, entre Declan... Levenstein donc ouais. Et, c'est la guerre c'est la guerre donc entre Levenstein et le clan Spielberg Katzenberg Geffen d'accord ouais donc Ryan c'était Spielberg et oui parfois il y a des guerres entre frères hein, voilà. Ça arrive et ce qui explique aussi tout simplement le succès alors via Thomas Langman qui était un proche de Weinstein ouais. Du film d'Azanavicius The Artist d'accord tout et ça baigne dans c'est même... connivant ouais, hein. C'est... il y a un entre-soi quand même ouais, hein. Ouais. Il y a un entre-soi quand même hein. Je sais pas les pourquoi, couleurs mais... sont un peu pareilles en ouais. Fait tu vois, c'est... Pourquoi, on a du mal à distinguer on voit un nez et des oreilles ouais au loin on voit quelque chose qui se dessine ouais, on voit quelque chose qui se dessine mais je sais pas quoi hein. Ouais. Et donc, bon, The Artist, un film pas inintéressant, mais qui est... Bonne idée, mais qui n'est pas... Qui est pas exceptionnel, hein, ouais, sur le plan du traitement. Tout à fait, ouais, tout à fait. Ouais. Bérénice Bejo... C'est un concept, ça valait un court-métrage, voilà, ça valait pas un film... Bérénice Bejo, qui pour moi est complètement transparente. Alors, je suis d'accord pour dire que Dujardin est un très bon, très, très bon comédien. Ça, Oui. Totalement d'accord là-dessus. Il fait effectivement un très bon Douglas Fairbanks, enfin... Oui. Voilà, mais ça ne vaut jamais une statuette, quoi, jamais. Bon, bah après, on découvre que Thomas Langman est le producteur du film, qu'il est un proche des Weinstein, que les Weinstein ont tout fait pour propulser The Artist. Et ça n'étonnera personne de montrer que dans le cinéma, il y a des jeux de connivence et tout, de tuyaux, par-ci, par-là, quoi. Mais pour ce que Tarantino, ce serait intéressant qu'on fasse une émission, ça m'en donne l'idée, vraiment pour montrer à quel point ce réalisateur a vraiment tous les. Tout ce que l'idéologie dominante veut mettre totalement. En avant. Par exemple, je pensais, pendant que tu parlais, à Boulevard de la Mort. Ce film est complètement féministe et anti-homme blanc viril. Kurt Russell. Ah oui, et qui à la fin se fait écrabouiller. Se fait défoncer la tête. Là, à la pour fin. Moi, c'est vraiment l'homme blanc qui se fait défoncer. Quoi. Évidemment, Inglourious Basterds. Ah bah ça, j'en parle même pas. Dans la réécriture de l'histoire. N'en parlons pas. Et puis bon. Ouais. Je ne m'attarderai pas. Oui. Non, bah, tous et les puis, films. Et puis, en fait, il n'y a qu'un seul film peut-être que je chauffe chez lui. Même s'il est vraiment d'une violence parfois un peu trop gratuite, mais qu'il y a quand même des qualités, c'était Reservoir Dogs. Bah oui, le premier, c'est un thriller. Il y a une radicalité dans le film qui est plutôt intéressante, dans le bon sens du terme. C'est vrai. Bah, moi, c'est mon film préféré aussi de Tarantino. Voilà, c'est celui que je sauverais. Oui. Un esprit aussi de camaraderie, ils deviennent amis, etc. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est... Il y a, le scénar est quand même bien ficelé. Voilà, il y a un bon travail. Ouais. C'est un bon boulot d'artisan, quoi. Voilà. Mmh. On a complètement dérivé, mais peu importe. Ouais. Et on fait ce qu'on veut. Hein. C'est un peu notre émission ce soir. On fait ce qu'on veut avec Maurice. Je voulais te dire par rapport au. On a parlé de la Ligue du Leur, on a parlé des gauchistes. Un truc que j'ai remarqué, je voulais partager cette réflexion avec toi. Je ne sais pas si tu as vu, mais maintenant, on ne nous sort même plus les Caroline Fourest pour défendre l'islam. On nous sort carrément, en fait, c'est carrément des musulmans qui viennent le défendre sur les plateaux. Oui, c'est ça, en fait. Il n'y a plus de médiation. J'ai l'impression qu'on a franchi un palier, quoi. Ah, c'est marrant parce qu'en fait, là, c'est quasiment de la synchronicité. J'ai l'impression de voir le chat noir dans Matrix. C'est-à-dire que la discussion que là, on a à l'instant, j'ai eu la même il y a 24 heures. Ah oui. Je me faisais, moi, la réflexion à propos des maires des villes, des communes de France. C'est-à-dire que pour l'instant, ils ont encore besoin d'un maire communiste. Ou France Insoumise, ou PS, ou UDI. On oublie beaucoup les UDI. Oui. Moi, je ne les oublierai pas, eux. Ouais. Il ne faut surtout pas les oublier, les UDI. C'est-à-dire que ces gens, les grands frères, les imams de la mosquée, ont besoin d'un médiateur pour l'instant. Oui.
dans pas mal de communes, de grandes agglos et de zones périurbaines françaises, enfin de moins en moins françaises d'ailleurs, puisqu'elles sont complètement défrancisées par endroits. Ouais. Et je pense que tactiquement, ils savent que de toute façon, il y a plus d'intérêt à avoir une médiation avec un Gaulois. Quoi. Oui, oui, pour moins apparaître. Pour... Voilà, pour, moins, pour être moins vu, être simplement en arrière-plan, jusqu'au jour où il y aura une bascule démographique et ils présenteront leur propre candidat et les élus. C'est ça, ouais. Pour moi, ça, c'est le... Bon, c'est le... En gros, c'est écrit. Hein. Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, je crois que c'est à Sarcelles ou à Garges-lès-Gonesse qui a d'ailleurs un cas de figure à peu près équivalent à celui-là. La France Insoumise avait fait un carton dans une de ces circos-là, je crois que c'était à Sarcelles ou à Garges, en 2017. Et au moment des je crois que c'est au moment des législatives qu'un candidat, bon, un islamiste en costume cravate, quoi. Hein, ouais, ouais. S'est présenté et il a fait un score tonitruant. Ah oui ? C'est-à-dire qu'en fait, les musulmans qui avaient voté pour Mélenchon ont basculé vers lui. Alors, il faudrait que je te retrouve ça. Je crois que c'était sur Sarcelles ou Garges-lès-Gonesse. D'accord. Voilà. Ouais, je sais pas quoi. Et c'était très, très emblématique. Et je me suis dit, il faudra vraiment se rappeler dans 10-15 ans de ce qui s'est passé à cet endroit. Ouais, ouais. Et finalement, à une échelle macro-politique, ce qui joue le rôle de médiateur, maintenant, ça va être le Parti Socialiste. On l'a vu dans la dernière présidentielle avec Hamon. Pendant un ou deux élections encore, on aura le Parti Socialiste qui finalement représentera les musulmans des France, et puis après, ce sera eux-mêmes. Oui, c'est ça. Ouais. Alors là, je ne sais plus, là, donc ils ont placé le fiston Glucksmann, il y a eu un rejet de cerveau, c'est pas possible autrement. Oui, la greffe n'a pas pris. La greffe n'a pas pris, hein, c'est pas possible. Déjà, le père, ça ne fonctionnait pas. Ouais, ouais, ouais. Donc ils l'ont mis comme tête de liste. Apparemment, bon, il a fait un mini putsch, hein, j'ai lu ça. Avec une petite bande à lui, donc ils ont une fusion là. Alors, j'aime bien le nom de leur mouvement, la Place Publique. Ouais. Moi, ça me fait penser aux femmes publiques, les gagneuses de la rue Saint-Denis, quoi. C'est les gagneuses de la rue Saint-Denis. Donc, ils ont fait une fusion, donc PS et ce mouvement, la Place Publique. Je crois qu'Europe et l'Écologie Les Verts, ils vont de leur côté avec Jadot. Ouais, ouais, ouais. Il y a qu'enfin, donc apparemment, qui est le numéro 2 de la liste LREM, ça vient de tomber aujourd'hui, je crois. D'accord. Ah bon, il y a une espèce d'éclatement quand même des familles des gauches sur en gros une myriade maintenant de partis quoi, et de mouvements. Quoi, ouais, tout à fait. Bon, en gros, en France, c'est un peu le caca, on va pas se mentir. Oui. Mais ça fait un moment, on commence à s'habituer. Après, ailleurs en Europe, il y a quand même un réveil. Il y a quand même des pays où ça se passe plutôt bien. Ah bah, moi, j'ai un exemple très précis en tête, là, ce qui s'est passé quand même le week-end dernier avec Thierry Baudet aux Pays-Bas. Ouais. Formidable. Il arrive, 2 ans d'existence, premier parti du pays. Ouais. 13 sénateurs. Voilà. Il a battu le parti au pouvoir donc, du libéral Rutte. Mmh. Et il est aujourd'hui, il va certainement être le faiseur de roi pour un prochain gouvernement. Il y aura probablement une coalition dans laquelle il va peser. Et, ouais. Il a sorti un ouvrage il y a quelques temps qui s'appelle Indispensable frontières. Je crois qu'il est très francophile, hein, ah bon? Thierry Baudet. Ouais. D'accord. Ouais. Et, jeune mec, une trentaine d'années. Enfin. Vraiment, c'est un espoir, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est courte en mieux. Ouais. C'est courte sans les défauts, quoi. Ouais, ouais, d'accord. Courte, pour moi, c'est un peu la droite conservatrice, Yad Vashemisé. Rutte, je suis pas... Enfin, Thierry Baudet, je pense qu'il n'y a pas nécessairement ces défauts-là. Oui, oui, oui. En tout cas, il les a d'ailleurs, pas trop montrés pour le moment. D'ailleurs, ça a été assez décevant parce qu'il a critiqué quelques fois Orban. Orban. Oui, oui. Mais il ne l'a pas du tout aidé. Oui. Ce qui est absurde, en plus, dans la logique... On se disait l'Autriche va être dans le groupe Visegrad et oui, tout, oui, ça va être une sûr. Puissance. Et là, il y a eu quand même un pas de recul. Ouais. Je pense que ça n'aurait tenu qu'à Strache, il y aurait eu un soutien beaucoup plus fort vis-à-vis d'Orban. Apparemment, il y a une question de tracé aussi d'un pipeline. D'accord. Qui expliquerait aussi la petite trahison à l'endroit d'Orban. D'accord. L'Autriche voudrait bénéficier d'un pipeline. D'accord. Et le tracé, bénéficie. Alors, je ne sais plus exactement lequel, parce qu'il y en a tellement. Ouais. Entre ceux qui sont en projet dans le cadre de la nouvelle route de la soie, les Nord Stream avec les Russes. Ouais. Donc, il y a tellement de chemins qui s'entrecroisent qu'on finit par s'y perdre. Mais visiblement, il y a une question aussi liée à un tracé d'un pipeline. D'accord. Qui aurait expliqué aussi le vote de Kurz. Oui. Bon, oui, cela dit, ce qui est intéressant... Vraiment, là, à mon grand âme, on n'est pas vraiment dans la solidarité européenne. Quoi. Non, 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 ça c'est chiant. Et même si à titre personnel, j'apprécie énormément ce que fait Salvini, j'ai toujours un problème avec ce que fait Salvini, c'est qu'il renvoie ça sur d'autres pays européens. Bien sûr, évidemment. Et donc moi, je suis quand même... Pour l'instant, la réflexion n'est pas à une échelle européenne. Je suis pour une fraternité quoi. Européenne et une solidarité européenne. Alors je sais qu'aujourd'hui, c'est impossible. En l'état actuel des forces, les États ne peuvent se défendre qu'eux-mêmes. Oui, oui. Il est déjà bien, en fait, qu'il y ait encore
des isolats de résistance et de, entre guillemets, de, d'opposition en fait à cette marche en avant folle vers la submersion migratoire notamment. Oui, c'est ça. Face à la submersion, on voudrait vraiment une unité des pays et des peuples européens. Et déjà un micro groupe d'ailleurs, qui est pas micro hein, mais simplement déjà le V4, c'est vraiment oui, très bien. Déjà pas mal. C'est ouais. Déjà très bien. On peut expliquer tout de même aux gens donc c'est le groupe Visegrad, c'est République Tchèque, Slovaquie, Hongrie, Pologne. Pologne, voilà. Donc les pays d'Europe centrale qui en fait alors est-ce qu'il y a une volonté chez eux de sortir de l'Union européenne à terme? Moi, j'ai une image pour ça, elle vaut ce qu'elle vaut. Hein. Ouais. J'ai l'impression que le Brexit, c'est quelqu'un qui arrive dans le wagon de tête, mm-hmm. dans la locomotive, qui braque le conducteur et qui lui dit « Maintenant, tu vas faire dérailler le train. » D'accord. Parce que la personne se rend compte que, de toute façon, le conducteur de la loco va se précipiter contre un mur et il accélère. D'accord. Donc, il dit « Quitte à tenter le tout pour le tout, on va faire dérailler le train, il y aura peut-être un peu moins de morts. Ouais, ouais. Que si on fonce tête baissée vers le mur, comme je sais que de toute façon tu ne veux pas freiner, je vais te faire dérailler. Ouais. Et moi j'ai l'impression que Visegrad, c'est plutôt on braque le conducteur de la locomotive pour le faire ralentir. D'accord. Voire le faire arrêter juste avant le mur. D'accord. Ouais. Alors quelle est la meilleure solution des deux? J'en ai aucune idée. Oui. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas. En tant que je me définis comme alter européen, donc en tant qu'alter européen, j'aurais plutôt tendance à souscrire à la vision de Visegrad. Qu'est-ce que ça veut dire alter européen? C'est-à-dire, je renvoie dos à dos, c'est-à-dire le camp bruxello-maastrichtien. Ouais. C'est-à-dire qu'ils considèrent que, voilà, pour eux, l'Union européenne, enfin cette technostructure qu'on appelle l'Union européenne, l'Union, cette Union n'a rien d'européenne. Mmh. Elle est abusivement qualifiée d'européenne. Oui, oui, oui. Il n'y a rien de moins européen que cette Union. Oui, oui, oui. Pour tout un tas de raisons, hein, sur le plan culturel, militaire, ethnique, sur les questions de défense, d'état d'esprit, d'esprit même avec un grand E. Il n'y a rien de moins européen que cette Union. Mais en même temps, je ne souscris pas aussi à la vision, par exemple, d'un Asselineau, ouais. qui réduit effectivement l'idée d'Europe à celle justement de cette technostructure qu'on appelle l'Union européenne. C'est-à-dire que moi, pour moi, l'européanité existe, Dieu merci, bien au-delà de cette saloperie de l'Union européenne. Mmh, bien sûr. Ça a un sens, ça veut dire quelque chose d'être européen. Voilà, ça va de. Alors, on peut remonter très loin. Hein. Ça va évidemment des échanges, des cours royales à travers les siècles, les ordres monastiques, les abbayes, les monastères qu'on a vu fleurir partout en Europe à travers les siècles, notamment. Pendant la période médiévale, c'est évidemment les ordres de chevalerie, des grands écrivains, des peintres. Et puis plus loin encore, la Rome, la Grèce. La Grèce. Alors évidemment, si on voulait faire, alors sans rentrer même dans la logique du socle de civilisation, mais même si évidemment c'est capital, c'est-à-dire c'est en gros c'est l'hellénocristianisme. Oui. On pourrait dire qu'est-ce qui compose vraiment l'Europe? C'est la pensée grecque. Mmh. Le christianisme qui reprend une partie de la pensée grecque, notamment via saint Thomas d'Aquin. Mm-hmm. Saint Thomas d'Aquin, lui, oui. Je suis désolé, il fait quelque chose d'Aristote. Mm. Hein, c'est pas comme certains autres de l'autre côté de la Méditerranée. Oui, oui, oui. Enfin, on nous sort Averroès, mais Averroès, non, il n'a pas ramené Aristote. Non, c'est pas vrai. Alors, pour ceux qui ont des doutes sur le fait que la philosophie grecque pense encore qu'elle nous a été apportée par des gens venant de l'autre côté de la Méditerranée, mm-hmm. de la péninsule arabique. Avec des épices. Voilà, je les invite à lire donc, le livre de Sylvain Guggenheim, Aristote au Mont-Saint-Michel. Voilà, ça leur remettra les hydres à l'endroit. Ouais. Et Aristote, on n'a pas attendu les gens de l'autre côté de la Méditerranée pour le connaître. Hein. Ouais, les moines s'en chargeaient très bien. Ouais. Notamment les moines copistes. C'est, que ça plaise ou pas, c'est la réforme protestante aussi, l'Europe. Ouais. C'est-à-dire, je pense notamment à un point très précis, c'est un épisode avec Luther, quand Luther se retrouve devant la diète de Worms. Bah pour moi, ça c'est le surgissement de l'individu dans l'espace public. Dans quel sens? C'est-à-dire qu'en fait, Luther se retrouve donc, devant la diète de Worms, et il est là, donc il présente son point de vue, oui. Et donc l'individu surgit politiquement. Mmh. Alors, je sais qu'on peut revenir aussi. Est-ce qu'il faudrait remonter la réforme, mm-hmm. après le cogito cartésien, et puis si on remonte même un peu avant le cogito cartésien, Erasme, et puis finalement, c'est beaucoup de choses l'Europe quand même. Voilà, en fait, c'est beaucoup de choses, ouais. Ouais. Et en fait, pas tant que ça non plus. Oui, oui, oui. C'est évidemment aussi un panthéon de Dieu, mm-hmm. au pluriel. Oui.
c'est alors que ça soit les dieux scandinaves, etc. Enfin, oui, oui. Finalement, je dirais que l'Europe est la somme des génies nationaux qui la composent, et c'est aussi un ensemble de mémoires partagées, communes. Et puis moi, je pense que l'Europe la plus importante, c'est celle des artistes, en fait. Ouais, celle des artistes. C'est-à-dire comment un Français se sent bouleversé quand il découvre Shakespeare, un Italien quand il découvre Molière ou Racine, un Islandais s'il découvre Dante. Oui, c'est vrai. L'énigme et la beauté, c'est comment une civilisation a pu créer ça. A pu créer ça, voilà. Ouais. Moi, quand je vois une église, une cathédrale, je me dis mais comment, quelle est cette civilisation qui a transformé la pierre comme ça en dentelle? Le gothique flamboyant. Bon, alors voilà, on peut parler du gothique flamboyant, l'art roman. C'est évidemment le Parthénon. Puis c'est des paysages aussi. Alors j'ai eu cette chance à travers ma vie, mais c'est une chance qu'aussi j'ai tout fait pour m'offrir en permanence et depuis très jeune. Ouais. Même quand j'étais un vraiment travailleur précaire et que j'avais très peu de blé, je me mettais toujours de l'argent de côté pour voyager. Et je voyageais en Europe. Ouais, ouais, ouais. Et je ne me suis jamais vraiment senti à l'étranger en voyageant dans un autre pays européen. C'est vrai. Jamais vraiment chez moi. Ouais. C'était ce qui était extrêmement plaisant. Mais jamais totalement l'étranger. Mmh. Je savais qu'il y avait quelque chose de presque d'indéfinissable, ouais, mais qui me rattachait aux gens avec lesquels, enfin, que je découvrais dans ce pays. Oui, oui, oui. Et systématiquement, hein, ça va du Portugal, en passant par la Slovénie, la Pologne, la Hongrie, j'ai été en Islande, je me suis toujours senti un peu chez moi. Oui, oui, c'est toujours. Vrai, c'est vrai. Ouais. J'ai été en Amérique du Nord, j'ai pas ressenti ça. T'as pas eu cette sensation, ouais. Alors bon, aussi j'ai eu un problème, c'est que j'ai fait New York et la Californie. Ah oui, mais bon, d'accord. Ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Je pense qu'évidemment, si je vais au Nevada et au Texas, je me sentirais beaucoup mieux. Oui, oui, oui. Mais enfin, ça a souligné quoi. Voilà, ça a souligné le Canada, même commentaire pour le Canada. Puis j'étais en Afrique, alors là, j'étais très content quand je suis revenu. Bien sûr. Après, en France. Au-delà de l'idée qu'évidemment. Et là, j'ai su définitivement que ce n'était pas pour moi. Aux États-Unis, bien sûr, il y a beaucoup. J'avais pas de doute sur le sujet. Il y a beaucoup, de plus en plus de non-blancs. Bon, ça, c'est une certitude. Mais moi, je suis un racialiste. Je m'en suis jamais caché. Mais il y a aussi la dimension culturelle. Elle existe. Elle a quand même. Oui, c'est-à-dire que c'est un pays qui a été fait par des Européens. Oui, les États-Unis sont un pays qui a été fait par des Européens. Mais un pays même de peuplement européen, mais qui vit, on va dire, loin de l'Europe, peut se transformer, peut se modifier. Moi, je sais que j'ai pas mal de retours d'amis nationaux qui ont vécu dans l'Amérique blanche, malgré tout, et qui me disent, mais c'est autre chose. C'est autre chose. C'est. Évidemment, c'est pas des adversaires. C'est l'Occident, ça fait partie d'un tout qui est l'Occident. C'est une sphère, voilà. Mais c'est une sphère, mais c'est pas exactement la même chose. Mais je suis là, je partage. Par contre, il est évident qu'on est confronté à des problèmes similaires. Ah, ça, c'est clair, bien sûr. Évident. Oui, oui. Alors, il y a tout simplement, je dirais qu'il y a quelque chose qui nous. Et puis, on est face à des menaces. Également similaire. Mais alors là, on pourrait dire que le point commun n'est même pas forcément le fait d'appartenir à la race blanche, on va dire comme ça, parce que finalement, même des pays asiatiques de haut niveau, comme la Corée du Sud ou le Japon, commencent à avoir des problèmes de ce type. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de lutter à la fois de l'extérieur pour pas qu'on leur amène de l'immigration, et même de l'intérieur. Maintenant, je me suis intéressé un peu à ça, je vois du gauchisme né au Japon. Oui, là, c'est surprenant. C'est comme si le virus atteignait tous les pays finalement riches. Dans l'oisiveté, il y avait comme un poison. En fait, je crois que le gauchisme culturel, c'est l'adjuvant du globalisme. Ouais. C'est son adjuvant, finalement. Mm-hmm. C'est l'accélérateur, l'accélérateur du poison. Ouais. Il y a une marche évidente entre Hollywood, Wall Street d'un côté et on va dire les mouvements de social justice warriors par exemple aux États-Unis. Oui, oui. Ces gens finalement sont des alliés objectifs. Mmh. Ils sont nos ennemis objectifs. Alors, est-ce que tu dirais que c'est trop schématique ou est-ce qu'on peut dire qu'actuellement il y a deux Europes un petit peu, il y a une espèce de confrontation entre une Europe qui a conscience d'elle-même, de son essence, qui veut survivre et une Europe flinguée quoi, un petit peu. Alors, il y a une tentative d'assassinat évidente de l'Europe, dans son ensemble, hein, d'ailleurs. Oui, oui. Dans son ensemble, il y a une tentative d'assassinat évidente. Mais depuis quelques mois, je trouve qu'il y a quand même des réactions. Alors, par exemple, j'ai été très agréablement surpris et heureux de voir le résultat de Vox en Andalousie. Oui. Je pensais que le dernier pays où un mouvement patriotique et nationaliste avait une chance de percer, c'était l'Espagne. Alors, quand j'ai vu... Moi, ça m'a agacé. Je me suis dit, mais non, mais même l'Espagne va y arriver avant nous. Merde. Quand j'ai vu le résultat d'Abascal, j'étais vraiment très, très heureux, quoi. Ouais. En plus, il s'est transformé en faiseur de roi. Donc, oui.
ce qui était encore plus étonnant. Et je pense qu'ils ont de bonnes chances lors des prochaines législatives. Oui. En Espagne, ils peuvent. Je parle même pas du cas Salvini, parce que Salvini gagne maintenant même des territoires et des bastions historiques de la gauche. Oui, ça c'est incroyable. Je crois qu'il y a eu la Sardaigne, ouais. Basilicaté aussi. C'est vrai qu'au début, on se demandait si Salvini allait pas être un petit peu un Sarkozy italien, quoi. Le faire valoir de Di Maio, même. Oui, c'est ça. On se disait bon, bah, il s'est fait, enfin, il arrive au pouvoir avec de grandes déclarations, mais ça va faire pchit. Il semble tenir ses promesses. Il semble quand même. Tenir, ouais. Ouais. Bon, évidemment, ils ont été obligés de reculer un peu sur un certain nombre de points face aux menaces de la Commission européenne et notamment de. Je vais me retenir, Moscovici. Oui. Voilà. Donc, ils ont dû reculer sur un certain nombre de points, mais finalement, pas tant que ça. Ouais. Pas tant que ça. Je veux dire, le cap est maintenu, quoi. Le cap est vraiment maintenu. Et ça, c'est très agréablement. Enfin, c'est encourageant, quoi. C'est encourageant. Ouais. Est-ce que, bon, c'est toujours la même chose, en fait. Est-ce que c'est trop peu, ouais, par rapport à ce à quoi nous sommes confrontés? Est-ce qu'on est encore très loin de la masse critique qu'il faudra obtenir? Peut-être. Maintenant, bon, il faut de l'espérance et de la persévérance, quoi. Ouais. Alors, bon, on marche un peu sur des œufs, évidemment, quand on aborde ce genre de sujet, mais on ne peut pas ne pas aborder l'attentat qu'il y a eu en Nouvelle-Zélande il y a une dizaine de jours. Quel est ton avis là-dessus? Moi, je te dirai bien après, si tu veux. Mais ce que j'ai trouvé incroyable, première chose, c'est que j'ai beaucoup regardé les médias traditionnels, BFM, TF1, etc. Au-delà, bon, la répétition factuelle de ce qui s'est passé, aucun chroniqueur ne disait « c'est une vengeance ». Aucun, bah évidemment. Voilà, alors que quoi qu'on pense de l'attentat, c'est un fait. C'est... Parce que lui-même l'a dit dans le manifeste, c'est une vengeance par rapport aux nombreux attentats qu'il y a eu en Europe ces dernières années, et notamment un qui a marqué le tueur, Nice. Qui est celui Nice. En Nice, effectivement, et en Suède. Et Stockholm. Le point commun entre les deux est qu'il y a des enfants qui ont les été enfants, tués. Et la jeune Eba à Stockholm. Et ça, je me suis dit, les médias sont vraiment des salauds. Et la fameuse photo avec cette petite fille à Nice, avec la petite poupée qui était juste à côté. C'est vrai. Donc oui, dans ce que j'ai pensé, moi, une des choses qui m'a le plus frappé, alors je pensais qu'on ne pouvait pas dépasser en matière de dimitude, de postmodernisme délirant, faire pire que Trudeau au Canada. Je pensais que c'était impossible, et j'ai découvert donc Jacinda Ardern, donc la PM néo-zélandaise. Ouais. Et alors là, je me suis dit, ah bah si, en fait, on n'est même plus dans la dimitude, on est dans la conversion. En fait. Ah bah, c'est-à-dire que le pays entier est devenu musulman, voilà, en hommage. En hommage, la prière du vendredi, la minute de silence avec, incroyable, avec l'imam au Parlement, elle qui se voile, qui appelle toutes les femmes du pays à se voiler. On a même vu des gens lever l'index, quand on sait ce que ça signifie que lever l'index. Ouais. Donc là, on est au-delà de la dimitude et de la soumission. C'est là. Incroyable. On est dans la conversion. Ouais. C'est vraiment. Donc, je pensais qu'on ne pouvait pas voir pire que Trudeau. Si, en fait. Ouais. Si, y a cette dame, là, Jacinda Ardern, que je ne connaissais pas jusqu'à il y a 15 jours. Lorsque j'ai appris cette information, la première chose que je me suis dit, mais d'accord, il y en a jusqu'en Nouvelle-Zélande, ce que j'ignorais, vraiment. Et on a pu voir à travers les hommages qu'il y a eu, c'est qu'il y en a un certain nombre déjà. À l'autre bout du monde. Ouais. Et finalement, ça prouve par l'absurde que la réalité du grand emplacement. Même l'idée, ça s'est passé à Christchurch. Christchurch, oui, l'église du Christ. Non, mais c'est quand même fou. Il y avait eu un séisme terrible il y a quelques années, je ne sais pas si tu te souviens. Non, pas du tout. Il y avait un tremblement de terre absolument terrible, ça m'avait marqué. D'accord. Et je me suis dit, décidément. Oui. Et alors, chose qu'on a peu dit, voire très peu dit. Ouais. C'est un site australien, je crois, qui a été le premier à sortir l'information. C'est que la mosquée qui a été attaquée était connue pour être un centre de recrutement de djihadistes. Ah oui. Pour Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Je veux dire, quand j'ai vu ça, j'ai cru que c'était une fake news. Eh ben non. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est trop gros. Eh ben si. Le terroriste ne le savait pas, mais finalement, bah il est tombé sur une. Apparemment, donc c'est un centre de recrutement pour Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Et notamment, bon, un des personnages recrutés qui a rejoint ACPA, ouais, est un de ceux qui aurait préparé, commandité et organisé l'attentat contre Charlie Hebdo. Voilà. Bon. C'est fou. Quelles vont être pour toi les implications de cet attentat qui est... Ah bah, il y en a une première évidente. Hein. Ouais. T'as vu Erdogan, la réaction d'Erdogan. Erdogan, voilà, c'est ce que j'allais dire. Ah, incroyable. Erdogan, mais j'étais pas surpris, en fait. Ouais. C'est pas surprenant. Erdogan, depuis des années, veut se placer en leader mondial du monde sunnite. Mm-hmm.
Il a des élections. Alors, on est le combien aujourd'hui? On est le 26. Je crois que ça arrive ce week-end, les élections municipales là-bas en Turquie, sauf erreur. Donc, il a chauffé à blanc ses partisans en leur montrant les images donc, de l'attaque de la mosquée. Oui, c'est très simple. C'est interdit en Occident. C'est clairement un appel au djihad. Oui, il y a même en Australie, je crois que c'est puni légalement. Un mec risque de faire un certain nombre d'années de prison parce qu'il a diffusé la vidéo. Au contraire, en Turquie, Erdogan a volontairement voulu montrer cette vidéo pour attiser pour la haine. Pour attiser la haine, voilà. Et donc, clairement, c'est un appel au djihad. Hein. Appel clairement. Masqué. Masqué. Enfin, je veux dire, c'est quand même le type qui nous a expliqué qu'il disait aux Turcs en Allemagne que l'assimilation est un crime contre l'humanité. Le MIT turc, donc les services de renseignement turcs, ont certainement tué 3 militantes en plein Paris il y a quelques années. Mm. 3 militantes kurdes, hein, chose qu'on oublie. Ouais. Tout concourt vers la piste du MIT. Oui. Des meetings qui sont faits directement en France, en Alsace-Lorraine, quand il organise son référendum pour renforcer. Enfin, on est au-delà de la présidentialisation du pouvoir, là. On est dans l'instauration d'une autocratie. Chose qu'à titre personnel, je ne suis pas. Voilà, mais il faut que ça aille dans l'autre sens. Ça dépend laquelle. Ça dépend laquelle. Voilà, bon, l'autocratie ottomane, bon là, ça. Pas top, ouais. Ouais, ça m'intéresse beaucoup moins. Ouais. Et puis évidemment, il est en roue libre depuis le 15 juillet 2016. Ouais. Je rappelle que le coup d'État a quand même eu lieu le lendemain de l'attentat de Nice. C'est vrai, je ne savais pas que c'était à ce moment-là. C'est le lendemain. D'accord. Très étrange, hein, d'ailleurs, ce coup d'État. Ouais. Qu'il y aurait beaucoup à dire. Oui, c'est vrai, parce que sur le moment, c'était un tremblement. Moi, j'étais en voyage en bus à ce moment-là, et c'est ma femme qui m'a tenu compte de ça. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que c'est incroyable, un coup d'État en Turquie. Et finalement, après, c'est retombé un peu comme un soufflet. Ouais, comme un soufflet. Il y a eu des arrestations de journalistes, de militaires, comme il avait fait déjà après l'affaire Ergenekon, où il avait arrêté beaucoup de kémalistes. Il faudrait peut-être expliquer aux gens qu'est-ce que c'est ce coup d'État. Ça a été la tentative de renverser... De renverser Erdogan, mais alors justement, personne n'est d'accord sur qui a tenté de l'organiser. D'accord, hein. C'est emmerdant. J'ai lu certains articles pensaient que c'était les Russes, donc une vengeance de l'affaire du Sukhoi. D'autres disaient que c'était les réseaux américains et otaniens. Mm-hmm. Ce qui expliquerait que pendant des semaines, la base de l'OTAN en Turquie, Incirli, qui était entourée par des troupes fidèles à Erdogan. Ouais. D'autres disent que c'était tout simplement des réseaux kémalistes qui ont tenté de le renverser, qui ont tenté un coup de poker en essayant de prendre d'assaut Istanbul. Enfin, voilà. Ouais. Donc, j'ai pas un avis sur la question, puisque j'ai lu vraiment différents points de vue sur le sujet. D'accord. Après, bon, les seules choses qu'on puisse remarquer, c'est qu'il y a eu... Après ce coup d'État, il s'est écarté quand même des États-Unis, il s'est écarté de Washington. Ouais. Il a demandé l'extradition de Fethullah Gulen, parce que pour lui, c'était les Gulenistes qui étaient derrière. D'accord. Et les Gulenistes sont connus pour être, en gros, un paravent de la CIA aux États-Unis. Enfin, ils accusent les Erdoganiens, on les appelait comme ça. Les néo-ottomans accusent les gulenistes en fait de travailler aujourd'hui pour la CIA. D'accord. Et on a vu à ce moment-là, après le coup d'État, un rapprochement avec la Russie. Ouais. Donc ce qui me ferait plutôt penser que le coup d'État peut-être un rapport avec la position états-unienne. Oui. Peut-être. A priori, mais enfin sans certitude. Quoi. Sans certitude, quoi. Ouais, ouais. Voilà. Bon, ce qui est certain, en tout cas, pour revenir au monde d'aujourd'hui, c'est que suite à cet appel, hein, parce que c'est rien d'autre que ça d'Erdogan, il y a eu déjà une première conséquence, c'est aux Pays-Bas. Utrecht. Un Turc, en fait, a essayé de tuer des gens dans un bus, ça a réussi d'ailleurs, tu as eu 3 personnes. Hein, ouais. Donc ça a des conséquences terribles. Ouais, en fait. Je rappelle aussi quand même que c'est un type qui nous avait sorti que leur minaret était leur baïonnette, les coupoles de leur mosquée, leur casque. Enfin voilà, on est dans une logique, on militarise en fait totalement le fait religieux. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Donc, il se présente comme le... Enfin, il a pour espoir d'être le leader du monde sunnite. Mmh. Dans mais une c'est logique néo-ottomane, hein, d'ailleurs. Hein, l'aplaventrisme des dirigeants européens est quand même incroyable, malgré tout. Fin... Et le lendemain donc, de cette déclaration hallucinante, certains se demandaient s'il était opportun ou non de rouvrir les négociations sur l'adhésion de la Turquie à l'UE. Oh là là, c'est vrai que ce serait très opportun. C'était, quoi. C'était urgent. Faire rentrer le loup dans la bergerie. C'était très urgent, en plus. Ouais. Ils ont osé faire ça. Ouais. Alors, certains ont dit non, c'est pas possible. Il faut cesser les négociations, il faut stopper toute discussion. D'ailleurs, qui ont fortement ralenti donc, depuis les...
les persécutions des opposants après le coup d'État. Mais certains se demandaient, oui, mais quand même, est-ce qu'on ne devrait pas relancer les discussions et les négociations ? Ouais. Ce qu'il faut dire aussi aux gens, c'est qu'en Turquie, attention, la Turquie, ce n'est pas le Yémen. Hein. En Turquie, il y a du pognon. Par exemple, c'est une histoire de gros sous, mais depuis quelques temps, les Turcs ont la possibilité d'aller en Ukraine sans visa. Oui, tout à voilà. fait. Et ça, c'est un gros changement et ça a des implications directes. C'est-à-dire que vous envoyez plus. Il y a beaucoup de Turcs désormais qu'on peut croiser dans Kiev. J'ai entendu parler de ça. Bah oui, parce qu'ils ont un niveau de vie plus élevé. Plus élevé et donc, ils viennent soit pour l'immobilier, soit pour trouver une femme. Ouais. Il y a pas mal de femmes célibataires là-bas. Donc voilà, c'est... J'ai entendu parler de ça, Oui, bien sûr. Alors, je ne l'ai pas vu, mais j'ai entendu parler. Je voudrais quand même rassurer les personnes qui soient, qui ont un projet d'expatriation. Ça n'a aucune commune mesure avec ce que vous voyez chez nous. Moi, je suis allé il n'y a pas récemment. Mais c'est un processus qui commence. Et dans un pays qui était quasiment 100% blanc, ça se voit. Ça se voit. Ça se voit, ça se voit vraiment. Et surtout, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce qu'il y a une proximité géographique. Et là, on peut voir qu'il y a une politique. Parce qu'à contrario, dans des pays qui sont très proches, comme la Bulgarie, vous n'en voyez pas. Est-ce qu'il y aura un rapport quelconque avec le fait que... Je vois où tu veux en venir, mais je pense que tu vas sur une porte. qu'un président ukrainien s'appelle Poroshenko et quelques affiliations. Tu voudrais... Un ancien ministre qui s'appelait Arseniy Yatsenyuk. Je crois que c'est un peu nauséabond ce que tu es en train de dire. Quoi. Qu'une des plus grandes synagogues va être créée, je crois, à Dnipropetrovsk. À Dnipropetrovsk. Ouais, il y aura un rapport. Oh non, je peux pas croire une chose pareille. Ça me paraît pas possible. Les gens qui pensent comme toi, c'est les gens d'extrême droite, Maurice. Ouais, ouais. Donc, si tu veux être classé d'extrême droite. Donc ce n'est pas moi. Oui, voilà. Donc c'est autre chose, quoi. Ce n'est pas moi. Alors, tu voulais nous lire, je crois, un texte d'Annie Nolfi qui parle du djihadisme. En fait, au-delà du djihadisme, justement, c'est-à-dire que lui, c'est souvent, en fait, toute la question et les disputes auxquelles on assiste dans notre mouvance autour de la question du terrorisme. Oui. Souvent, c'est est-ce seulement les djihadistes ? Y a-t-il des attentats faux drapeaux ? Y a-t-il des guerres obliques ? L'OTAN est-il derrière ? Et en fait, dans ce texte que Annie Nolfi avait écrit deux jours après l'attentat de Nice, en fait, je pense qu'il donne peut-être une clé. D'accord. Une clé. Je connais pas ce texte, intéressant. Donc, c'est un texte qui date du 16 juillet 2016, donc deux jours après l'attentat terrible de Nice. À Nice, il y a comme d'habitude des éléments inquiétants. Le terroriste habituel qui perd sa carte d'identité, le valse habituel qui prédit des massacres, etc. etc. En étendant, le mécanisme fonctionne à plein régime. D'une part, il y a ceux qui disent que la situation n'est plus sous contrôle et que le terrorisme que nous subissons débouchera sur une guerre religieuse et raciale que l'on ne pourra plus éviter. D'autre part, il y a ceux qui parlent de guerres obliques menées par diverses puissances au moyen des services secrets et des bandes terroristes. Enfin, il y a ceux qui affirment que tout cela est une opération concoctée au sommet. Des gens manœuvrent pour apporter la terreur et asseoir ainsi leur pouvoir oligarchique par le renforcement du conditionnement des foules. En réalité, c'est tout cela à la fois. C'est tout cela tout à la fois, pardon. D'accord. Tout, excepté que la situation ne soit plus sous contrôle, chose à laquelle je ne crois pas, même pas un peu. Pour le reste, il est évident que nous sommes en présence d'un humus favorable à la création et au développement de terroristes hallucinés, de même qu'il est probable que ceux qui frappent soient souvent autonomes et spontanéistes. Quoi qu'il en soit, il est indéniable que divers services les manipulent, comme on l'a découvert dans quasiment... Pardonnez-moi, alors là, c'est très amis. Comme dans tous les massacres survenus en France et en Belgique. Et pour réaliser ces manipulations, il est également indéniable que l'on utilise des techniques subtiles, essentiellement psychologiques, et que l'on n'encourt pas à des enrôlements véritables. Il s'agit là d'un élément qui mérite d'être pris en considération, ce qui n'est jamais le cas lorsque c'est nécessaire. Que ce soit de cette façon-là que se déchaînent les guerres par délégation entre gouvernements ou entre alliances internationales est certainement vrai. Parfois même va-t-on jusqu'à faire abstraction des intentions des terroristes marionnettes. Et tout ceci, qui ne donne jamais lieu à aucun débat, renforce en définitive le système oligarchique, lequel ne fait rien par conséquent pour empêcher quoi que ce soit, mais au contraire contribue pesamment au conditionnement du troupeau que l'on mène à l'abattoir. Par conséquent, ils ont raison ceux qui dénoncent la menace djihadiste, mais aussi ceux qui évoquent, sans être plus précis, des pistes internationales, et enfin ceux qui accusent les cercles dirigeants nationaux et internationaux. Tout se tient et réciproquement, et l'on ne peut faire front que si l'on en est conscient. D'accord. Pourquoi tu as tenu à lire ce texte en particulier ? En fait, une raison première, c'est parce que je pense que c'est ce qui se rapproche le plus de la vérité, à mon avis, sur ce qu'est réellement aujourd'hui le terrorisme auquel nous sommes confrontés. D'accord. Le terrorisme takfiriste, en fait. Et il y a une deuxième raison, qui est d'une importance tout à fait inférieure et subalterne, mais qui a quand même sa petite importance, c'est qu'en fait, on voit, en fait, pour faire simple, entre la ligne riposte laïque, par exemple. Mais c'est ce que j'allais te dire. La ligne riposte laïque, tout à coup, c'est la ligne ER et la ligne Soivelos. Oui, oui.
En fait, bah là, on a les trois. Oui, c'est ça. Oui, c'est... Et en fait, ce que Gabriel Adinolfi explique, c'est que les trois ont raison. Oui, oui, c'est ça. Voilà. C'est ça qui est intéressant. En fait, il ne faut pas opposer les différentes explications, puisqu'en fait, elles s'ajoutent. Oui, elles sont complémentaires. Elles se combinent. Ouais. Elles sont complémentaires. Alors bon, ça se présente, ce petit avantage. Oui, c'est vrai, c'est ça. Ça apaise certaines tensions dans notre milieu. À la lecture du texte, c'est ce que voilà. Je me disais, effectivement. Mais en fait, je pense que c'est certainement en fait, ce qui se rapproche en plus le plus de la vérité. Oui, oui. Je pense que là, il touche quelque chose du doigt. Et en plus, quand même, il faut rappeler qu'Adinolfi est quand même un homme qui a été accusé. Par la loge P2, sauf erreur, qui avait été accusé d'être derrière l'attentat de Bologne, qu'il n'avait pas commis. En fait, il avait fondé Terza Posizione, et à un moment, la P2 avait tout intérêt à accuser un homme comme lui d'être derrière ça. Il s'est retrouvé, donc il a fui en France, il a obtenu, je crois, le droit d'asile en France, comme d'ailleurs pas mal de mecs d'extrême gauche. Donc lui était du côté des fascistes, mais il explique très bien que voilà. Donc il sait de quoi il parle puisqu'il a lui-même été finalement victime de ce genre de machination, quoi. Oui, tout à fait. Donc il a un regard quand même, on va dire très très affûté sur le sujet. Ouais. Malheureusement, il l'a vécu en plus lui dans sa chair, dans sa vie, quoi. Puisqu'il a écrit ce texte après l'attentat de Nice, je me suis rappelé en fait pendant que tu lisais le texte que on a complètement oublié, tu sais, cette policière qui avait fait parler d'elle en disant mais finalement où sont les images, où sont les images de l'attentat, et alors bon, pendant ça avait fait l'actu pendant quelques semaines et puis ça a disparu comme ça dans l'espace. Et je ne sais pas d'ailleurs si elle n'a pas eu des graves problèmes professionnels après, il me semble. Je ne sais même pas si elle n'a pas été écartée par rapport à ces images. On peut dire qu'il y a deux hypothèses qui d'ailleurs, comme dit Adinolfi, sont pas forcément incompatibles. Voilà. Soit vraiment on va dire une passivité des forces de l'ordre et de l'État qui montre que finalement on laisse faire les attentats. Bon, là c'est colossal, là on est dans le complotisme, on peut le dire, mais on va dire, il y a des complots qui existent aussi, premièrement. Et deuxièmement, ce qu'on a pu voir aussi, c'est que les personnes qui faisaient la surveillance des caméras peuvent être peut-être de la même religion que, la personne qui commet l'attentat. Et à un moment donné, on ferme les yeux, on se dit, j'ai rien vu. Oui, c'est ça, tout à fait. C'est ça que les vidéos auraient pu montrer, finalement. De toute façon, je dirais qu'il y a des complots ouverts. Oui, oui. Quand on décide de faire revenir des centaines de djihadistes de la zone irako-syrienne, comme souhaite le faire M. Castaner, ou quand Madame Belloubet nous explique que des centaines de djihadistes vont sortir des prisons françaises dans les prochains mois, on est face à un complot ouvert. Oui, et puis dans cette même logique, je trouve que nos adversaires, les mondialistes, les globalistes, sont de plus en plus clairs sur leurs intentions. Oui, Clément, c'est assez fascinant. Oui, c'est fascinant. On a Macron qui maintenant nous... Ils assument. Qui fait l'éloge de Kalergi, qui nous dit, comme disait ce grand homme Kalergi, il faut construire une Europe différente. Ah bon, d'accord. Il y a 10 ans, en fait, on passait pour des conspis quand on disait ça. Et puis maintenant, finalement, c'est les patrons qui... Non, en fait, le seul problème, notre problème, en fait, c'est qu'on est vraiment atteint du syndrome de Cassandre, quoi. Ouais. On est victime du phénomène Cassandre. C'est-à-dire qu'on annonce 10, 15, 20 ans avant. Ouais. C'est d'avoir tort que d'avoir raison trop tôt. Ouais, voilà, ce qui advient, malheureusement. Ouais. Et là, ça me frappe de plus en plus quand même. On est dans une. On est face à des gouvernants, des classes dirigeantes, dont l'obsession est de placer leur population dans un état d'insécurité permanent. Oui. Insécurité physique, donc je parlais du rapatriement des djihadistes de la zone irako-syrienne, et j'inclus les enfants. Parce que je rappelle que des enfants ont commis des exécutions, des enfants de Daesh, des enfants, les lionceaux du califat, comme on les appelait, ont commis certaines exactions, ont exécuté notamment des otages d'une balle dans la nuque. Ouais. Donc on a des bombes à retardement, là aussi je parlais de bombes à retardement tout à l'heure à propos des 50% des moins de 25 ans rupture totale avec la société française. Cette info là sur les djihadistes qui sont revenus en France. Donc il y a une volonté des gouvernants, des classes dirigeantes de nous placer dans une insécurité physique permanente via le terrorisme, mais pas seulement, c'est-à-dire que la délinquance et la criminalité quotidienne est déjà en fait une... Mais tu comprends quand même que pour le commun des mortels ça semble absurde, parce qu'on se dit ces gens veulent être réélus. Pourquoi en fait finalement ils donneraient l'impression aux Français que ce sont des mauvais dirigeants qui ne les protègent pas? Ça semble absurde. Alors je pense qu'il y a des gens très mauvais. Ouais. Et je pense qu'il y en a d'autres qui ont des plans sur plusieurs décennies. Et d'accord. On parlait de l'affaissement des États-nations tout à l'heure. Bon, bah, voilà, donc un mélange d'incompétence et de projet millénaire. Voilà, de millénarisme. D'escatologie, allez, voilà. On va dire d'escatologie. Ouais, disons d'escatologie. Disons d'escatologie, ouais. Disons d'escatologie, ouais. Donc je pense qu'il y a ça, il y a les deux.
Donc il y a cette volonté de nous mettre en insécurité physique permanente, en insécurité économique et sociale permanente aussi. Mmh. Je pense par exemple à ce qui s'est passé ces derniers temps avec le vote de la loi Pacte, ouais. donc qui vise à privatiser Aéroport de Paris ah oui. et la Française des Jeux, mais enfin le plus grave c'est Aéroport de Paris. Quelque chose qui marche extrêmement bien, qui est quand même un joyau oui, français, oui. qui a une importance vitale, on a y compris les stratégique. Peu de choses qui restent debout, on a voilà, envie de... Y compris stratégique et sécuritaire, c'est comme les autoroutes, donc il y a une volonté de brader les bijoux de famille. Oui. Donc il y a cette volonté donc, de nous mettre dans une insécurité aussi économique que sociale, et même une insécurité psychologique désormais. Et là, j'ai un exemple bien particulier en tête, qui est très récent, c'est celui de la Queer Week. Oui. Je veux dire, simplement, l'idée de faire lire des contes non genrés à ouais. des travelots dans des écoles... Terrible, ouais. Là, on mène une guerre psychologique. Ouais, en fait. On sent qu'il s'est énervé d'ailleurs. Tu t'es énervé oui, là. Oui, oui, c'est énervant. Oui, bah c'est, en fait, c'est là j'ai du mal à rester calme. En fait. Ouais. Simplement, et donc qu'on ait osé imaginer, envisager de faire ce genre de choses. Ouais. Et qu'en plus, non seulement ils n'ont pas seulement envisagé, mais ils l'ont fait. Mmh. C'est-à-dire que même quand on n'est pas croyant, l'adjectif démoniaque vient en tête. Vient en tête, ouais, totalement. Ouais. Donc je pense que cette volonté de nous. En fait, c'est une volonté de démoraliser. Ouais. Il y a une volonté de démoraliser les peuples, de les mettre à bas, en fait, pour mieux les asservir. Oui, c'est vrai. Mais ce qui est terrible, c'est qu'on a l'impression que ça marche. Parce que moi, ce que je vois en Nouvelle-Zélande, c'est finalement quasiment une soumission préventive. C'est-à-dire... Ah ben, c'est une magnifique expression de la soumission préventive. Vous n'êtes pas encore majoritaire, mais on sait ce dont vous êtes capable. Sachez qu'on ne veut pas que vous soyez en colère. Il y en a un des nôtres qui a merdé, mais nous, on va se soumettre. Nous, on va se soumettre. C'est terrible, quoi. Ouais, c'est vraiment terrible. C'est ça. Il y a une accélération vraiment de c'est... En fait, on se rend compte que donc, à quelques exceptions près, on a quand même des classes dirigeantes occidentales, enfin de la sphère occidentale, qui sont totalement dans ce jeu-là. Ouais. Qu'ils ont épousé tous les dogmes du postmodernisme. Mmh, c'est vrai. Tous les canons du postmodernisme. Enfin, on va dire c'est la gauche et ses différents avatars, la gauche culturelle dont on parlait tout à l'heure, oui. Le gauchisme culturel et tous ses avatars, ils les ont fait leur. Oui. Je veux dire, et une autre conséquence qui était malheureusement évidente aussi après Christchurch, c'est la volonté de renforcer le contrôle des armes en Nouvelle-Zélande. On c'est l'a clair. Vu autour des, je crois, ils ont sauté sur l'occasion. C'est les semi-automatiques. Ils ont sauté sur l'occasion. Et c'est une des premières choses à laquelle j'ai pensé quand j'ai vu ça. Évidemment, c'est toujours en quand France, c'est... quand j'ai découvert donc qui mettait en avant la théorie, enfin pas la théorie, la réalité du grand remplacement. Ouais. Comme le dit Romano Cabu, le grand remplacement n'est pas une théorie. Ouais, c'est sûr. Je me suis dit, il y a bien quelqu'un qui va nous dire qu'évoquer le grand remplacement désormais, c'est une incitation à la haine raciale. Ça n'a pas loupé. Ça arrive. Ouais. Louis Georges Tin, dans une tribune, alors complètement halluciné dans Libé, je crois que c'était dans Libé, nous explique que le grand remplacement est une évoquer le grand remplacement est une incitation à la haine raciale. Ouais. Donc je ne serais pas étonné que les députés LREM d'ici très peu de temps nous propose une proposition de loi, nous lance une proposition de loi pour interdire d'évoquer le grand remplacement. Oui, alors d'un autre côté, effectivement, l'expression grand remplacement est stigmatisée, c'est le cas de le dire, mais on laisse des types comme Michel Onfray dire la même chose finalement avec un autre vocabulaire, mais sur un ton soft. Oui, c'est-à-dire, je rappelle toujours quand même que Mouloud Achour, Mehdi Meklat et leur ami Badrou, le trio infernal, là, ouais. Ils ont quand même créé une maison d'édition qui s'appelle les éditions du grand remplacement. Ah bah je savais même pas. Ouais. Ouais. Alors évidemment, il y a une dimension éminemment provocatrice qui vise à provoquer des gens comme toi et moi, évidemment, mais en fait des millions de Français. C'est insupportable. Il y a quand même mille raisons de péter un câble. Voilà, nous assumons. Tu vois, nous assumons. Ouais. Nous sommes effectivement le grand remplacement et vous l'aurez dans l'os. C'est un peu ça, en fait, hein, l'idée. Hein. C'est ça, ouais. Et, d'ailleurs, j'ai, dans le même ordre d'idées, j'ai cette fameuse photo où on voit trois salafs en train de faire une quenelle à Poitiers, à côté du lieu de la bataille. Ouais. Ça, c'est une façon de dire, vous voyez, nous sommes revenus, nous y sommes, et cette fois, nous allons gagner. C'est ça, ouais. Bah, d'ailleurs, à ce propos, on va vous trouver un extrait, vous le traduire. C'est Hassan Occident qui va s'en charger parce qu'il parle russe. Hassan a vu une intervention de Poutine de plus de 3 heures à la télévision, qui pour l'instant n'a pas été traduite, où lorsque Poutine évoque les gilets jaunes, il parle de la France blanche. Ah oui, il dit en gros, les gilets jaunes, c'est la France blanche contre les autres. Il le dit clairement comme ça. Clairement, il y a la racialisation du discours. C'est assez intéressant de voir que de l'étranger, on sait très bien ce qui se trame. Ce qui se trame, ouais. Ouais.
C'est-à-dire que les trois France dont je parlais tout à l'heure, voilà. Les autres l'ont parfaitement compris. Oui, c'est-à-dire qu'ils ont dit qu'il y a une France contre les deux des France qui ne sont pas trop françaises. Voilà, quoi. Voilà, c'est il y a une expression vraiment purement russe et que les Russes eux-mêmes utilisent pour différencier les Russes blancs, c'est-à-dire les Slaves, des Russes de papier, mais qui sont patriotes, mais qui ne sont pas des blancs. Mmh. Voilà. Donc voilà. Alors, et même pour le grand remplacement, en fait, on a l'impression que lorsqu'il est célébré, finalement, c'est très bien. Ouais. Par contre, si c'est pour le déplorer, c'est ça. Là, c'est insoutenable. Ça dépend de la nature du discours, c'est insoutenable, finalement. Indéfendable et inqualifiable. Oui. Alors que Onfray, qui est toujours mis en avant, même à droite, mais moi, ça me gonfle de le voir toujours dans Valeur Actuelle, etc. Et qui finalement nous dit, mais le grand remplacement, ça va rien changer. Ça sera la même chose avec un autre peuple. Ah oui. Quelle perspicacité, ouais, c'est très intelligent. Et d'ailleurs, il est quand même flagrant de voir le fameux livre de Fourquet, là, l'archipel français. Mm-hmm. Fourquet emploie quand même une expression, la modification substantielle de la population française. C'est quoi si ce n'est le grand remplacement ? C'est clair. La modification substantielle de la population française. Mais c'est le grand remplacement. Non, c'est clair. C'est exactement ça. Ouais. C'est une façon pudique et en termes élégants de le dire. Ouais. C'est-à-dire, non, non clivante. Mmh. C'est une façon non clivante de dire exactement la même chose que Renaud Camus. C'est ça, ouais. Et là, par contre, c'est acceptable. Par contre, ce qui était intéressant, c'est quand je l'ai entendu employer la première fois cette expression sur un plateau de télé, il était amusant de voir le visage des autres invités. Oui. Notamment Bernard Guetta. Oui, genre, ouais, on est sur un sujet sensible. Sûr, hein. Oh, ils sont pas bien cirés, là. En tout cas, par rapport à ce que tu as dit, que ce soit volontaire ou non de la part des élites, ce qui est certain, c'est qu'on a une combinaison de catastrophes en France et de convergence des catastrophes, comme disait notre ami. Voilà. Et effectivement, et moi, il y a un truc, surtout que moi, je voyage pas mal en Europe, et je me dis, mais en France, tout augmente tout le temps, sans arrêt. C'est-à-dire, des fois, je passe à un point d'autoroute, je me dis, mais putain, il y a 6 mois, c'était 20 centimes moins cher. Les clopes, c'est pareil. J'en fume pas, mais je regarde les prix parce que j'ai pas mal de potes à côté de moi qui fument. Mais il n'y a qu'en France que c'est. Maintenant, c'est à 8 balles. Enfin, je veux dire, c'est complètement dément, quoi. On a un parlement. Enfin, je suis un anti-parlementariste rabique. Ouais. Je suis vraiment anti-parlementariste au dernier degré. C'est-à-dire que pour moi, soit on passe par effectivement le référendum, soit des décrets, ouais. Des ordonnances quand on a un pouvoir fort. Oui, et des choses plus. Ouais. Voilà. Pour moi, il n'y a pas d'alternative à ça. Mmh. Donc, je suis dans l'anti-parlementarisme rabique. Et depuis que j'ai découvert les députés de La République En Marche, je le suis devenu un peu plus. On a quand même un hémicycle qui ne sait faire qu'une chose. Enfin, deux, en fait. Ouais. Deux. De l'ingénierie fiscale. Créer toujours de nouveaux impôts et de nouvelles taxes. Mmh. Et toujours interdire un peu plus. Oui. Interdire de faire ceci, interdire de faire cela, interdire de dire ceci, interdire de dire cela. Oui. Ils ne savent faire que ça. C'est leur seule et unique raison d'être. En fait, on te prend ta thune, on te prend ta joie. Parasites. Ouais. Ce sont des parasites, clairement. Mmh. Voilà, j'avais donné une conférence il y a 2-3 ans qui s'appelait « Sortir de la société bourgeoise ». Oui. J'expliquais que la bourgeoisie, en gros, tient essentiellement sur trois pieds. Enfin, pas trois pieds, mais oui, enfin, on va dire que c'est un tripode. Le parlementarisme, le capitalisme déterritorialisé, ou globalisé si tu préfères, mais déterritorialisé est plus parlant, et correspond mieux en fait à la réalité que nous vivons. Et le troisième point, c'était donc la médiasphère au sens global, avec les réseaux sociaux notamment. Ouais. Et je pense qu'en fait, plus ça va, le pire des trois est quand même le parlementarisme. Ouais, tout à fait. Donc, c'est le pire des trois. Puisque même en fait, et je pense qu'il y a un problème, les gilets jaunes ont compris beaucoup de choses depuis le 17 novembre. Pour certains, ça a été une formation accélérée sur le plan politique. Oui. Ils ont quand même parfaitement identifié certains ennemis. Le journaliste. C'est vrai. Les fameux corps intermédiaires. Donc les syndicats jaunes. Hein. Mm-hmm. Enfin, je rappelle quand même les positions de Laurent Berger et de la CFDT sur le mouvement des Gilets jaunes. Oui. En fait, non, ça n'avait rien d'incroyable. Quand on sait ce qu'est la CFDT, ça n'avait rien d'incroyable. Oui. Ces mecs qui sont prêts à manifester pour n'importe quoi. Invraisemblable de la CGT, l'opportunisme et en même temps le mépris de ces petits bureaucrates et ces petits apparatchiks de la CGT que je connais très bien parce que j'étais 10 ans dans cette maison avant de m'en faire évincer pour les positions que je défends notamment devant toi. Ouais. Donc ça, c'est ma légion d'honneur personnelle. Mm-hmm. Quand on est dégagé par ces gens-là pour ces raisons-là, c'est une médaille. C'est une très bonne raison, c'est une médaille. Et en fait, on peut voir que les Gilets jaunes ont compris un certain nombre de choses très très bien. Donc comme je disais, ce perroquet de l'oligarchie et de la plutocratie qu'est le journaliste, notamment des chaînes d'information en continu, le rôle délétère des corps intermédiaires,
Mais malheureusement, je pense qu'il sous-estime encore celui du parlementaire, en se disant, comme le parlementaire n'a plus le pouvoir, et que le pouvoir est ailleurs, ce qu'ils ont quand même parfaitement compris, parce que quand on va faire le pied de grue devant BFM, LCI, certains journaux, voire qu'on se met devant certains sièges de grandes banques d'affaires, on a compris beaucoup de choses. Mais malgré tout, le parlementaire joue encore son rôle, c'est-à-dire de mettre en partition ce que ses autres pouvoirs lui demandent de mettre en partition. Ouais. Donc il joue un rôle absolument délétère, qu'il ne faut vraiment pas oublier. On voit ce toboggan affreux, c'est-à-dire en fait de moins en moins d'argent pour les Français, de moins en moins de liberté, de plus en plus d'immigration. Alors c'est vraiment cauchemardesque. Et d'ailleurs, je pense qu'on va en voir prochainement de nouvelles. Il y a le fameux rapport donc de l'anthropophage dévoreuse de taxi Avia. Ouais. Mounir Majoubi, donc maghrébin, homosexuel, maqué avec un juif ashkénaze. Mais plus français que toi. Voilà, mais plus français que moi. Je pense que lui, quand il rentre au casino, il fait 777. Hein. Moi, je pense qu'il sera élu maire de Paris avec un CV pareil. Ah, ouais, c'est l'avenir. Vu la sociologie parisienne, c'est l'élection au premier tour. Normalement, il est élu. C'est clair. C'est 50+1, quoi. Ouais. Et donc, Gilles Taïeb, bon, voilà, je te fais pas un dessin parce qu'il n'y aura pas assez de place sur voilà. la feuille ouais. pour le nez. Donc tu as Avia, Taïeb et Majoubi qui nous expliquent comment il va falloir en fait censurer Internet pour notre bien. Ouais. Ouais. Pour défendre la démocratie, les droits de l'homme. Ouais. Voilà, comme non, mais on rigole, mais c'est tragique. Hein. D'ailleurs, en fait, on a vécu un prologue de ça, un prolégomène à ça, c'est l'interdiction de démocratie participative. Oui. Qui, finalement, annonçait ce qu'on va vivre dans une échelle beaucoup plus large, avec ce rapport Avia Taïeb Majoubi, quand il deviendra projet de loi que le gouvernement présentera. Parce que je crois qu'il a été donné à Édouard Philippe, donc il y a volonté que ça se transforme en projet de loi. On voit aussi ce qui s'est passé avec le Haut Conseil à l'égalité, les fameuses copines de Marlène Schiappa. Stéphane Edouard a fait une excellente vidéo très pédagogique, très didactique sur le sujet qui dure 30-35 minutes, où il décortique en fait les préconisations de ce rapport qui est hallucinant, de ce Haut Conseil à l'égalité. Et là aussi, c'est purement liberticide. D'accord. Purement liberticide. Ouais. Et là, c'est pareil, on a eu un avant-goût avec l'éviction, pas de sympathie particulière pour ce personnage, une identipathie d'ailleurs, pour l'éviction de l'animateur Télétex. Ah oui. Voilà, pour une pauvre vanne de rien. Qu'est-ce qu'il avait dit déjà? Peu importe. Non, mais c'était considéré comme sexiste. Oui, c'est voilà, ça c'était donc une vanne en plus, je crois qu'il n'est pas jeune. Hein, mais... ouais. Et voilà, donc il a quand même été écarté. Ça a créé un précédent, effectivement. Il a quand même été écarté. On a vu Bigard, donc il y a eu, je crois, des spectacles annulés. Ah bah oui, forcément. Suite à une blague, je crois que c'était chez. Le Bigard, il y a 15 ans, une Scapa, elle ne peut pas accepter ça. C'est impossible. Bah oui, c'est rigoureusement impossible. Donc voilà, on va vers toujours, comme je disais, moins de liberté. Oui, ça, c'est vos couilles, on va les serrer comme ça. Voilà. Ça va durer jusqu'à votre mort, en fait. C'est ça. Et pour couronner le tout, donc, on se prend la déferlante migratoire en pleine guerre. Ouais. Tu penses que des sites plus passe-partout, si on peut dire, comme F2 Souche, vont pouvoir le même sort? Je pense que tout le monde est menacé, là. Ouais, vraiment. Vraiment, avec le rapport Avia, Taïeb, Majoubi, tout le monde est menacé. D'accord. Ça va de soi à Véros, en passant par ER, en passant par Riposte Laïque, en passant même par F2 Souche, qui pourtant n'est qu'une revue de presse. Ouais, ce qui est vrai, ce n'est qu'une revue de presse. Ah oui, même, mais le simple fait d'angler comme ils anglent, ils vont être considérés finalement comme un site porteur de haine, je ne sais pas quelle forme ils trouveront. On a ce truc incroyable aussi maintenant, la réduction de l'antisionisme à l'antisémitisme. Alors écoutez, moi je vais vous dire franchement, j'ai bossé à la Main d'Or. Des antisionistes, pas du tout antisémites, j'en ai rencontré, mais des tas, mais vraiment, l'antisionisme de gauche. De gauche, oui. Où les mecs sont contre Israël, ils t'expliquent, ils ont toute une politique et tout. Mais par contre, si tu dis un propos antisémite, même en rigolant, même dans une blague, les mecs se braquent. Pas raciste pour un sou. Donc ça existe vraiment, mais là, on veut vraiment tout verrouiller, quoi. Tout. Non, mais il y a un projet politique, il y a un calendrier, hein, clairement. Il y a un calendrier, il est dicté par nos meilleurs alliés, entre autres. Pas uniquement eux hein, d'ailleurs, mais ils y contribuent beaucoup. Et puis il y a quand même l'influence de plus en plus néfaste et de plus en plus pesante aussi, de ce que j'appelle le Moloch LGBT, hein, qui sur un certain nombre de sujets est vraiment plaie. Il est vrai, on va pas se mentir, il y a 5 ans ça faisait rire, maintenant ça fait peur. Ça fait peur. Ouais. C'est vraiment... Clairement, là, moi, j'ai compris qu'il y avait quand même eu un basculement quand j'ai vu le contenu du rapport, dont je redonne le nom, pour que les internautes aillent jeter un œil, Taïeb, Avia, Majoubi. Mm-hmm.
Donc, qui a été, je le répète, hein, qui a été donc donné en main propre à Édouard Philippe. D'accord. Donc évidemment, ça n'a pas été donné gratuitement à Édouard Philippe, parce que je crois d'ailleurs que c'était même le gouvernement qui avait commandité ce rapport. Donc c'est évidemment pour que le gouvernement fasse un projet de loi à terme. Ouais. Bon, tu voulais... Ajoute à ça ce qui vient de se passer aujourd'hui avec le vote au Parlement européen sur les droits d'auteur. Ah, j'ai pas vu ça. Voilà. Ah oui, c'est YouTube. On pourra plus rien mettre sur YouTube. On rentre dans une forme d'intranet, quoi. Ouais, c'est une folie. C'est-à-dire faudra payer ça de Sedaka. Mettez de côté les questions politiques. Voilà. Vous êtes un critique de cinéma autodidacte. Vous voulez parler d'un film. Vous montrez un extrait. Vous montrez une photo. Vous citez le film. Vous dégagez de YouTube. C'est ça. Parce que, ou alors, faut droit d'auteur, faut payer, etc. C'est hallucinant. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, les bons jours d'internet sont malheureusement derrière nous, quoi. Ouais. Falloir... Non, je pense entre la censure politique, au-delà même de la censure politique, comme tu l'expliques très bien, simplement quelqu'un qui veut faire critique de cinéma et mettre un extrait d'un film, voilà. Oui. C'est-à-dire que l'internet libre, comme on l'a connu, je pense effectivement est derrière nous. On va de plus en plus dans un internet, vers un internet chinois. C'est ça, ouais. C'est le grand rêve de Christophe Barbier finalement se réalise. Ouais. Il rêvait lui d'un internet chinois pour la France. Bah, c'est en train de se produire. L'ami à l'écharpe rouge va être heureux. Tu voulais nous parler de quelques livres, conseils des lectures pour nos... Oui, non, mais c'est plutôt, là, c'est pareil, j'évoquais tout à l'heure hors antenne, on en discutait, et toujours amusant de voir que les journalistes du Monde comprennent 20 ans après tout le monde. Ouais. Donc, je pensais au livre Inch'Allah de Davé Elhomme. Ouais. Bah, c'est quand tu parlais du syndrome de Cassandre, c'est vraiment ça, quoi. C'est insupportable parce qu'ils disent, ils commencent à dire parfois ce qu'on disait il y a des décennies. Des décennies, mais ouais. Tout en continuant de nous disqualifier. D'ailleurs, c'est ce qui me rend. Bon, moi, j'ai plutôt la sympathie pour Zemmour, mais Finkielkraut, j'ai toujours trouvé insupportable. Parce qu'en fait, il va dire la même chose que Le Pen 30 ans après, mais tout en continuant de cracher sur le front. C'est insupportable. On ferait, c'est pareil. C'est la même chose. Ouais. Et d'ailleurs, il est quand même toujours navrant qu'une partie du camp national se précipite vers ces gens-là, ces mêmes personnes qui leur ont craché à la figure pendant des années. Ouais, c'est vraiment de... Cette obsession pour aller chercher des cautions venant du camp respectable. Oui, c'est hey, ils pensent comme nous. Extrêmement pénible. Sauf qu'ils continuent de se foutre de votre gueule. Déjà, et puis en plus, on pense aussi bien qu'eux. Oui. Ce qu'ils disent, on le dit mieux qu'eux et on le dit depuis bien plus longtemps. Mmh. Et on ne les a pas attendus. Mmh. Donc, je veux dire, pour les questions de protectionnisme, tu es là, attendre le micro à Emmanuel Todd. Chez nous, il y avait Maurice Allais, quoi. Ouais. Prix Nobel d'économie, hein, on n'a pas besoin d'aller chercher. Il y a ce qu'il faut, quoi. Il y a ce qu'il faut. Je veux dire, les gens de Polémia sur l'immigration, ils ont fait largement ce qu'il fallait depuis des années. Et ils continuent, en plus. Et ils continuent, en plus, et ils continuent très bien, ils le font très bien. Mmh. Bon, qu'on le fasse, oui, pour des raisons tactiques, stratégiques, oui, je veux bien, pourquoi pas. Ouais, mais quand c'est permanent... Quand c'est permanent... Moi, je te dis, c'est un truc qui me gonfle avec F de Souche, par exemple. Ils font un très très bon travail sur la revue de presse, mais bon, ça va, quoi. On ferait Zemmour, Finkielkraut tous les jours, au bout d'un moment, t'en fais tirer. Bon, on les a pas attendus. Enfin, Zemmour, lui, a compris il y a très longtemps. Oui, c'est vrai. Donc, Zemmour, je le mets vraiment à part. Mais Finky... Ouais. Enfin, je veux dire, il a commencé à comprendre début 2000 quand des synagogues étaient attaquées, quoi. Ouais. Et encore, il a continué de tenir des propos anti-France très longtemps. Très longtemps, ouais. Ouais. Donc, en tout cas, anti-nationaliste, ça c'est certain. Ouais. Anti-France, pas forcément, mais pas forcément francophobe, mais en tout cas anti-nationaliste, c'est une certitude. Mmh. Je veux dire, pourquoi aussi on s'extasie devant Natacha Polony, quoi. Ah oui, alors ça c'est un truc. Ça dépasse l'entendement, quoi. Je comprends pas ça non plus. Alors finalement, même chez nous, même si c'est pas exactement sur nos lignes, mais on a des conservatrices très intéressantes. Je veux dire, des femmes comme Ingrid Rieux-Creux, Bérénice Levet, Strauss-Bonnard, on n'a pas besoin d'aller chercher Natacha Polony. Mmh, non, c'est et vrai. En plus, ça arrête toujours au milieu du guet, parce que sinon, ça commence à devenir dangereux. Forcément. Ouais. Donc, et puis bon, cette espèce de logiciel maçonnico-républicain, moi, j'en peux plus, quoi. Ça, ouais. Puis finalement, c'est rédhibitoire. Ouais. Rédhibitoire. On voit que c'est toujours la télé qui a le sceptre, quoi. C'est le sceptre. Voilà, alors, chercher donc la caution télévisuelle. Ouais. Alors il y a un magazine que j'aime beaucoup. J'ai même un ami qui écrit. C'est en l'occurrence c'est le camarade Xavier Aimant. Mm-hmm. Mais moi j'ai beaucoup de problèmes avec Aimant à ce niveau-là. Enfin le fameux magazine des idées. Depuis quelques temps, c'est il faut aller chercher mon frère. Je sais plus ce qu'ils nous ont fait ces derniers mois. Enfin, on n'a pas besoin de ces gens-là. Mmh, tout à fait. Surtout que les gens d'Éléments eux-mêmes écrivent depuis tellement longtemps sur ces sujets-là. Pourquoi vont-ils chercher? Oui, eux-mêmes sont des références. Voilà, pourquoi vont-ils chercher, quoi. Enfin, alors, je sais bien, c'est histoire de dire, vous voyez, ces gens-là viennent désormais vers nous. Mmh. Oui, enfin bon.
Ouais. Bah, le problème, c'est qu'ils ne le disent pas clairement, quoi. Non, et en plus, le dire trop clairement peut mener à une mort médiatique et sociale. Et quand même, ces gens-là, il ne faut quand même pas l'oublier, ils s'aiment beaucoup. Mmh. Et ils aiment voir leur image dans le petit écran, dans la petite lucarne, comme on disait avant. C'est ça, ouais. Et ça leur est quand même très pénible d'y aller un peu moins. Oui. Donc, on s'arrête toujours avant la ligne jaune. Oui, tout à fait. Provocateur, mais pas trop, quoi. On flirte avec, mais surtout, on ne la franchit pas, parce que c'est quand même pas mal d'être invité sur France Culture, quoi. Ouais, et d'y avoir toujours son émission aussi, depuis 30 ans. C'est confortable. Depuis 30 ans, quoi. Ouais. Donc, bon. Alors, tu avais quelques ouvrages, justement. C'est ce que je te disais, pour s'amuser. Oui, donc, Davé et l'homme, qui avait fait le fameux bouquin avec Hollande, un président ne devrait pas dire ça. Ou d'ailleurs, on apprenait qu'en fait Hollande avait tout compris sur la situation française. Ah ouais, génial. Extraordinaire. Génial, quoi. Donc le mec nous dit oui, il y aura une partition. Il y a une partition en France, oui, il y a une sécession. Oui, il y a un problème avec l'islam. Oui, non, mais Nadine Morano et Finkielkraut ne disent pas que des bêtises sur l'immigration. Le mec, en fait, tu te rends compte qu'il a tout compris. Fabuleux, mais ça fait grâce à lui. En fait, il est d'accord avec nous, mais je continuerai comme si de rien n'était. Ouais, terrible. C'est très triste. En fait, je préférais qu'ils ne comprennent pas. Je préférais le prendre pour un abruti. Oui, mais vraiment, je me sentirais finalement moins sali. Ouais. J'ai l'impression qu'on me crache un peu moins la figure. C'est ça, ouais. Et donc, Davé et l'homme étaient ces deux journalistes. Et ils ont fait donc un ouvrage sur donc l'islamisation du 93. Ils envoyaient une équipe de jeunes journalistes qui sont en école de journalisme, je crois, au CFJ. Mm-hmm. Et ils en ont tiré un bouquin qui s'appelle Inch'Allah. Donc, bon, alors, le bouquin n'est pas inintéressant. J'ai lu quelques bonnes feuilles. Mais en fait, finalement, je me suis amusé à faire un petit tour des bouquins qui sont des livres qui sont sortis sur le sujet depuis. Alors, le premier remonte quand même à 96. J'ai noté d'accord. Ça. Alors, c'était Christian Gélène. Intéressant. Je crois d'ailleurs que Pierre Cassin t'en a parlé quand tu l'as reçu dans Vive l'Europe. Oui. Alors, le titre s'appelait La France éclatée ou les reculades de la République. Ouais. Bon livre, hein, bon ouvrage. Les territoires perdus de la République de Ben Soussan, donc qui avait signé Emmanuel Brenner à l'époque. Qui est devenu une expression d'ailleurs. Un ouvrage collectif qui est devenu une expression, qui rentre effectivement dans le langage courant. Une France soumise du même Ben Soussan en 2017, donc 13 ans plus tard, rebelote. Principal de collège ou imam de la République de Bernard Ravet en 2017. Je me suis amusé à mettre ça aussi, le rapport Robin en 2004 sur les problèmes de communautarisme et d'islamisation au sein de l'école. Mahomet au volant, la chariot au tournant, le Guinel du Ménil, qui est une ancienne machiniste de la RATP, qui a publié ça aux éditions de Riposte Laïque. Exact, Les mosquées de Roissy de Philippe de Villiers en 2006, où il explique quand même les problèmes qu'on connaît désormais avec notamment les bagagistes. Où il y a une forte empreinte islamiste. Ouais, moi, je ne prends plus l'avion. C'est une forte empreinte islamiste et takfiriste dans les aéroports, notamment à Roissy. Rue Jean-Pierre Timbaud, une vie entre barbu et bobo de Géraldine Smith en 2016. Faille le cite dans son année. Voilà. La communauté d'Ariane Chemin et Raphaël Baquet sur spécifiquement la ville de Trappes. Ouais. Voilà, qui est quand même la ville avec Lunel qui, je crois, proportionnellement parlant, envoyait le plus de djihadistes en Syrie. Et donc le dernier de la liste, c'est le fameux Inch'Allah. Ouais. Donc il arrive quand même 12 ans après le bouquin de Christian Gélène en 96. Voilà. Le constat était fait depuis longtemps par pas mal d'auteurs. Et puis même si on remonte à plus loin, en fait, Minute, dès les années 80, vous avez déjà des articles là-dessus. Oui, tout à fait. Vous expliquez déjà tout ce qui se passait. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a vraiment rien de nouveau. D'ailleurs, c'est vrai que dans le lot, rue Jean-Pierre Timbaud, il est excellent à offrir à des proches de gauchistes. Parce que même sociologiquement, cette nénette était issue de ce milieu-là. C'est très simple. C'est une nana qui est bobo et qui, en fait, a vécu dans des quartiers qui, peu à peu, se sont islamisés. Et finalement, elle écrit un livre pour dire « c'est pas possible, ça marche pas ». C'est confronté directement à la réalité de l'emprise de l'islam dans une commune, ou là plutôt dans un quartier, et qui montre très bien que la cohabitation est absolument infaisable. Ce qui était intéressant d'ailleurs, c'est que j'avais été très étonné, c'est qu'elle avait été reçue à l'époque chez Barthès. D'accord. Ça. Ouais. D'ailleurs, on voyait la gêne qui était palpable sur le plateau et les sourires crispés du présentateur. C'est vrai. Ouais, c'était quelque chose qui tout à coup échappe un peu au système. Voilà, mais bon, c'est. Alors malheureusement, effectivement, le constat est fait depuis longtemps, mais. Ça bouge pas. Ça bouge pas. C'est ça, ouais. Ça ne fait que s'aggraver, quoi. J'en veux pour preuve ce qui s'est encore passé à Grenoble. Ouais. Et d'ailleurs, bizarrement, les ordres sont moins violents vis-à-vis des émeutiers à Grenoble c'est ça qui est insupportable. Que vis-à-vis des gilets jaunes, c'est surprenant. Ouais. Je comprends pas.
Non, tout à fait. Même quand il y a des matchs de foot de l'Algérie, c'est un bordel sans nom. Et puis là, du coup, on n'est pas du tout dans la... Non, mais c'est terrible. C'est... Tout ça ressemble à une blague, à une sinistre blague. Ouais, une sinistre blague, ouais. C'est une mauvaise farce, en fait, mais qui dure vraiment depuis très longtemps, quoi. Ouais. Trop longtemps, et je pense malheureusement qu'elle n'est pas terminée. J'espère qu'on en verra le bout. Ouais, ouais. Tu es, pour l'avenir, tu es confiant, toi, ou tu es... Sois franc avec notre public, hein, c'est des très adultes. Très pessimiste. Hein. Pessimiste. Très, très pessimiste. Très, très pessimiste. Donc, le projet de communautarisme blanc que vous défendez avec ce vélo, c'est vraiment est une bonne chose. Enfin, tout ce qui va dans ce sens-là, en fait, le survivalisme tel qu'il est défendu par Pierrot, des petites communautés qui s'organisent comme ça. Bon, après, évidemment, toujours le risque, c'est de terminer en réserve, quoi. Qu'on finisse comme des réserves. C'est sûr. Après, est-ce que c'est pas l'étape préalable à ce que, au projet de Laurent Ozon, c'est-à-dire de passer par une étape communautariste et séparatiste, oui. Où quasiment on organise en fait un système juridique, en gros ce qu'explique d'ailleurs Hollande avec son histoire de partition. C'est ce que Villiers avait expliqué. Pour Villiers, il y avait quasiment un projet d'élite de Nantes. Oui, c'est-à-dire que la nouvelle élite de Nantes. On va pas se mentir, le tribalisme est une reculade, c'est au niveau en fait, de la civilisation, mais on n'a pas le choix, quoi. Mais surtout que c'est contraire à l'esprit politique français, parce qu'on est quand même la nation politique par bien essence. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est vrai que pour nous, c'est une régression. Les choses étant ce qu'elles sont, on est obligé en fait de changer de paradigme et de revoir nos conceptions. C'est extrêmement douloureux. Ouais. C'est très pénible. C'est même un déchirement, quoi. Faut bien dire. C'est clair. C'est clair. Une peine immense. Ouais, on tourne une page, quoi. C'est une peine immense d'être obligé de réfléchir comme ça. De se dire, on est obligé de se poser ce genre de questions. Oui. C'est-à-dire que là, c'est la maison brûle. Faut trouver des solutions de survie, quoi. Des solutions de survie en attendant de jours meilleurs. Et donc, je pense que moi, je regrette vraiment. Je l'ai déjà dit chez Adrien l'autre jour. Je regrette vraiment que le mouvement pour la remigration qui avait été lancé par Laurent Ozon soit resté lettre morte, parce que je pense que c'était une des au cours des 15 dernières années, certainement une des 2-3 plus intéressantes opérations politiques qui avaient été lancées par le mouvement national. Après, ça renaîtra peut-être sous d'autres formes. Ça renaîtra de ses cendres, je l'espère. Hein. C'est vrai que tel le phénix, parce qu'une bonne idée comme ça, en fait, enfin, c'est même plus qu'une bonne idée, c'est quasiment un projet de survie, là, et on est dans l'instinct de conservation. C'est ça, en fait, ne doit pas être abandonné, quoi. C'est pas seulement l'idée, c'est tenu par les bonnes personnes, avec la motivation du groupe, etc. Parce que finalement, Camus, c'est ce qu'il fait avec le CNRE. Mais le problème, c'est que Camus, c'est avant tout un artiste, c'est pas trop c'est un écrivain. Voilà, c'est écrivain. Donc dans ce rôle-là, il est pas aussi percutant c'est que pour l'être. C'est très méritant, c'est extrêmement louable et ça se justifie totalement d'ailleurs. Mais c'est insuffisant. Bien sûr. Je pense qu'effectivement, Laurent Ozon pouvait être, lui, la traduction politique des idées défendues par Camus. Exact. Ouais. Bon. Écoute, Maurice, je te remercie vraiment. Merci pour cette émission. Merci pour ton invitation. Tu reviens quand tu veux. Avec grand plaisir. On peut parler tout un tas de sujets, de culture, de cinéma, de politique. On a encore 2 minutes ou pas tu Si tu veux me parler d'autre chose, il n'y a pas de souci. J'avais juste une idée. En fait, justement, c'est sur les tensions et parfois les divisions qu'on peut trouver au sein de notre famille de pensée. Oui. Y en a une qui est de plus en plus récurrente, j'ai remarqué, c'est autour de la question de la technique. Oui. De la technologie. Tu veux dire du progrès, quoi. Du progrès, en fait, au progrès technologique. J'entends le progrès technologique. Souvent, c'est la question, en gros, est-ce qu'on est plutôt Jacques Ellul ou Kaczynski, pour reprendre la version la plus radicale, ou est-ce qu'on est plutôt grande découverte, exploration, etc. Même IA, admettons. En fait, dans mon esprit, un Européen n'a pas à choisir, en fait. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple cinématographique, je pense qu'un Européen, l'européanité, c'est être autant bouleversé par Les Enfants du Marais de Becker que par Interstellar de Nolan. Je comprends, ouais. C'est-à-dire qu'être à côté d'un cours d'eau, voir des grenouilles faire du bruit, enfin pas du bruit d'ailleurs, mais coasser, le gazouillis des oiseaux, voir un arbre grandir dans son jardin... Je vois ce que tu veux dire. C'est quelque chose de capital, en fait, pour nous. Et tourner les yeux vers le ciel et regarder le firmament étoilé, c'est aussi quelque chose de fondamental. Après, l'idée de Kaczynski, c'est justement l'idée d'un monde va détruire l'autre. Va détruire l'autre. Voilà. J'ai tendance à dire que nous n'avons pas à choisir, en fait. Ouais. En fait, on doit vivre avec cette tension permanente, en fait, parce que je pense qu'elle est consubstantielle à l'être européen. D'accord. C'est-à-dire que moi, comme je te dis, je suis autant bouleversé par un cours d'eau
voir des poissons nager. Mmh. Et si je lève les yeux vers le ciel, j'espère qu'un jour on ira sur Mars. Oui, d'accord. Ouais. Bah, je me sens assez proche de ta vision. Hein. C'est-à-dire à la fois vraiment. C'est pour ça que j'ai jamais compris pourquoi il y avait des railleries et des sarcasmes dans notre milieu quand Jacques Cheminade, par exemple, parlait de l'exploration martienne. Ouais, c'est vrai que c'est. Pour moi, c'est justement quelque chose de merveilleux. Quoi. Mais bien sûr. Enfin, on est quand même le continent des grandes découvertes. Oui. On est le continent de Vasco de Gama, de Magellan, de Jacques Cartier, de Christophe Colomb. Ah oui, finalement, de Cortés, ce qui serait à découvrir, c'est là-haut. De Cortés, quoi. On est. Bon, si on élargit, si on met la Russie, on est le continent de Gagarine. Mmh. Je veux dire, bon, ceux qui ont réussi la conquête spatiale de l'autre côté de l'Atlantique aux États-Unis étaient des Européens. Ouais. C'était des WASP. Bien sûr. Ou même s'ils n'étaient pas WASP, ils étaient catholiques, mais ils étaient Européens. Mmh. Donc voilà, c'est quelque chose qui nous est quand même. C'est quasiment ontologique, en fait. Mmh. On n'a pas à choisir, en fait, entre Jacques Ellul et. Allez, qui on pourrait dire. Il y a tellement. Poincaré, oui. Voilà, par exemple. Oui, c'est ça. L'un n'empêche pas l'autre. Effectivement, pas l'autre. Les deux font partie de la civilisation européenne. Et de toute façon, c'est vrai que ça c'est vraiment un clash inutile. Les pieds dans la terre, les yeux dans les étoiles. Ouais. Voilà, on pourrait dire ça comme ça. Mais écoute, belle façon de terminer l'émission. De toute façon, s'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés, on le fera une prochaine fois. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et mettre toutes les remarques que vous voulez. Un plaisir. Un plaisir, Daniel. Ouais. Plaisir à la conversation. Et au plaisir de te revoir bientôt. Avec grand plaisir, à très bientôt. Salut les gars, vive l'Europe.